Tabac, des variétés chaque lundi à vendredi, 9h pour midi. Imamo la la woy, oh imamo la la woy. Chanter pour changer. Chanter pour nous changer. Parce que yon chanté charrier yon quantité l'idée. Parce que yon texte capoté nous changer. Atisyon vini, yon écrit, yon chanté, yon allé, zèv yon rété. Fok parole là, continuez parler. Maga yon kéke mne boj mwen oui. Si mba pale, map tout fait oui. Maga yon, lage mimi, maga mimi, lage yon. Chanter pour changer. La rubrique qui part à la découverte de nos textes et artistes engagés. Ça va mal, mal, mal. Pour dénoncer. On s'est tellement méchant. Avant yon bail fond de travail. Si on t'attendait, s'engager, pratiquer et se rappeler. Chanter pour changer parce que nous pas gain droit oublier. Chanter pour changer. Parce que faut nous changer. C'est Blaze One 20. N'a dit tout le monde branchez les variétés du lundi au vendredi entre 9h à midi. Émission Paula, émission Jeunesse là. Zi les variétés. Aïe. Et voilà société. Qui j'en ouye. Bonjour famille, amis zilé. Son réel plaisir. Son cœur content, mélangé avec mon excitation. Chaque jour nous connaît, nous allons toutes en misile sa yo pour nous passer 3 bonnes heures ensemble. C'est tout en famille, c'est tout en ami qui chaque jour nous prend rendez-vous dans Télé Kiskeya, sous Zileen. Nous toutes ces Zileens, nous toutes ces Zileennes. Jeudi, c'est jeudi déjà 23 août 2018. Son l'autre jour. Je souhaitais que hier, encore une fois, avec Zile Variété, dans la rubrique L'école la vie, côté Smo et Noisité, là, nous te comprenons le thème. Nan, hein? Nous te parlé de Pagé Moun qui fait tout connaît. Tout savant était un jour ignorant, madame, messieurs. Pagé Moun qui fait tout connaît. Nous continuons avec réflexion. Yo. Les jeudis, dans Zile Variété, c'est jeudi pour Verbe Lacaille. Bon, tout la gueule pour nous, j'en lié un jeudi. Jeudi, hein? Proverbe là c'est bœuf te di, li pral sal savane. Et puis c'est quel li sal. Nous connaissons les Zileens, nous aimons aller chercher nan kozé yo, en bas pied bois yo, en bas côté grand moun yo te kon chita pour nous dire cri crac tim tim bois sèche. Eh ben oui, jodi an ou gen chance pour dire comment nan compréhension, comment nan culture nous ou comprendre yon proverbe comme ça.
Bef te dit li ta pral sal savan et puis c'est quel li sal. Wap jwenn an pil variant de même proverbe sa jodi an lanzile a. M souhaite ou bien et m souhaite que zile variété accompagne ou nan quel que soit swap fait pour journée. Gen moun ki gade la kay, gen moun ki gade lan travay, gen moun ki gade l'hôpital, gen moun ki gade lan prison, gen moun ki gade lan marché, gen moun ki gade aux États-Unis, gen moun ki gade en France, gen moun ki gade en Turquie, au Mexique, au Cameroun. Zile tout côté madame messieurs. Nous gan pile rubrique ko remet et Dieu merci, gen youn ki lancé déjà. C'est deuxième transiléan qui annonce la flozi, nous là, nous paré, nous jam, nous dou bout. Non, dou bout la forme pour pose parce que avec vous avez là mon micro qui m'empêche de marcher la tête moi semaine là. Pas inquiète aux amis téléspectateurs, n'a gen zanmi toujours dit hein, nous pral fonti boisson locale avec Hans Berry Brady hein qui vient là tout à l'heure avec deux et comme t'as dit deux hôtesses oui deux hôtesses de USB School côté lycée professeur tout Hans Berry il est chef de bar Melvin il a expliqué là. De toute façon nous avons gagné un bel documentaire hommage à Yol des Roses rappel cette femme ce trésor national elle est malade elle a besoin de notre aide. Allez certainement sur, il y a sa page, il y a aussi un collectif d'artistes qui devrait, le conditionnel, tenir un concert dont les fonds recueillis iraient à la cause de Yol des Roses. J'essaierai de me renseigner beaucoup plus sur ça pour vous. Mais ce documentaire, j'espère, a eu l'effet de vous rafraîchir la mémoire sous grand famza, mais sous Maril tout. Et tout de suite après, nous avons eu, avec Haïti Cœur de Femme, nous voulons pour pays changer. Oui, nous voulons ça. Fok pays changer. Chantez pour changer, parce que fok nous changer. Chantez pour changer, ce vendredi dans la Zile Variété, c'est co-reproduction locale. Zile son émission locale. Co-reproduction locale, c'est avec un groupe local tout. Bon, tout dit nous, nous parlons avec Zut chaque tout à l'heure. Demain, Rap and Family à plein Zileen pour clôturer et chanter pour changer. Moi, je dis demain, mes messages, ça, est adressé à d'abord, hein, ici, la programmation de Télé Kiskeya. Ensuite, j'adresse mon message à Wendy. Donc, programmation et monsieur Wendy Petit. Je peux confirmer à mes téléspectateurs que demain, je serai là parce que nous connaissons depuis le match, Zile font pause. Pas qu'on est, lundi, t'es supposé, c'était semi-finale, nous t'es proposé, mais apparemment, le match n'avait pas été diffusé. Donc, nous pas qu'on qui ça gagne comme programmation dans ce sens-là, c'est ça qui fait notre précaution, mais à tout cœur, nous-mêmes, nous t'arrêmes là. Et nous fait tout ça nous capable pour nous là. M'assurer avant midi, nous confirmer aussi demain à plat. En attendant, je dis à nous là. Et j'aimerais me dire, nous va l'aide. Nous va l'aide nous là, nous-mêmes. Nous voulons l'aide nous là, allons l'autre côté. Nous là. Et nous belles. Nous c'était au même tout belles, madame, messieurs. Sont belles îles qui paraissent pour rentrer la caillou. Chantez pour changer. Rubrique n'a été lancée. Nous allons quitter apprécier avec Maïbou, Isabou, Camille, la douce qui vient, Kenep. Zile avec la douce qui vient, Red Brecher, Naptoune. Rastafari stands alone. Welcome to Zile. Moi, c'est Diva Reggae Haïti à Mirla. Branche Zile chaque jour. 9h pour midi. Grenadine, Kaimi, Tamaré, Sapo, si professe pas des sons, capital pas manger, oui. C'est tout un territoire qui a consommé, produit importé l'autre pays étranger. Les vins étranges, mais c'est vrai, nous quittons bon pépé, fin envahir, nous prenons la type natale, mieux, c'est vrai. Gestion pays, chita sous démoclée, qui c'est, production nationale, là, que nous devons corriger, ça veut dire. Belle chaleur, artisanale, la canne, peine de canne, nous devons nous décorer. Ça, son foyer, nous sortons de bon côté. Gouvernement, pas pris engagement, pour faire travail. Paysans, pas jouer dans le cadre, moins qu'abandonner la natrice. Puisqu'on ne coupe bois pour faire charbon, n'a pas gardé mes terres, vine maudite. C'est un élevage, agriculture, secteur privé.
arrivé à jouer pour l'investir. Résoudre problème infrastructure, massive, route pour pote, moi j'ai fini. Est-ce qu'une catime, combien bon fruit, pour faire bon chiffre, pour les grands fruits, on est en pile, ouais. Maïbou, Isabo, Camille, la douce qui vient Kenep. Maïbou, Isabo, Camille. À notre côté qu'on est pour supporter production nationale. Maïbou, Isabo, Camille, la douce qui vient Kenep. Maïbou, Isabo, Camille. Nous fatiguer, manger, condif dans ma mie. Cabrit dans ma mie, yo. Pour jamais mes jus frio, bon, caïmite dans ma mie. Si haïtien, pito, ron flex, pas son bon plat, maï moulet. On produit la crème pour me caper un petit monnaie. Priorité numéro 1. Production nationale, même chaque pays, maman Jacques Mel. Modèle en carnaval. Léo Gan pour la clé, si vous rapadou, bacajou, calalou. Produit la caillou. La tibonite, tiriche la lit, tellement pour les pêcher m'palé. Kananana, tellement sucré. T'as donc que me vle calé. Belle si machin, go cocoye, vin rafraîchi, comme une olé. Toutes fêtes champêtes, pèlerinage au bois de la plage, au cache gelé. Capaïtien, ville historique. Nous pas j'oublie vêtier. Nous pas j'oublie comment se faire. Ni autre faire nous fier. No way. No. Souveraineté, c'est fierté. Papa ma nana pour Suzanne. Papa ma caca pour tout jeter. No way. Maïbou, Isabo, Camille, la douce qui vient Kenep. Maïbou, Isabo, Camille. À nos côtés collés pour supporter production nationale. Maïbou, Isabo, Camille, la douce qui vient Kenep. Maïbou, Isabo, Camille. C'est pas pour date que moi envie chanter pour Haïti. Pays moi qui couche sous dos cap souffri. Sous compte moi qui gagne bien longtemps cap souffri. Zatraille moi. Aucun effort, volonté m'parfait. Pouvez une fois que moi utile la terre. Nous besoin manger. Votez la main forte pour habitants qu'à planter. Mettez pas les bails pour gouverner yo aider. Voyager nous pour nous garder. Tout bas, tout bas, tout. Ouais, ouais, j'en paye une apprécie. Apporter dans tout. Variété a supporté toute sa claquaille dans l'île d'Escap, supporté Zile Variété. Nous voilà de retour. Voilà, madame, messieurs, un petit peu de silence. De retour, jeudi 23 août 2018, madame, messieurs. Et voilà, société, nous connaissons là déjà. N'a continué fait soleil, la vie éclairé, son seul la vie en gagné. Mais heureusement, chaque jour dans vie ça, son lot la vie lié. Parce que chaque jour dans vie ça, ou ka mette un lot bagay la dan. Ou ka permette yon lot bagay fait. Tout autant gen ti soufflant, tout autant gen la vie, c'est pi bel cadeau qui gagné. Mère Teresa dit, la vie est une chance. Saisis-la. Moi, je la saisis au bon, cette chance. Je ne la laisse pas passer. Je la vis au centuple, à chaque jour, à chaque seconde, je respire la vie. J'espère que vous en faites de même, madame, messieurs. Ah ben, il y a après rubrique chanter pour changer. Tiens, Floriane est sur le plateau, vous allez voir sa tête dans quelques instants, mais bon, font-ils pas là avec nous sous
clip ça, soit dit en passant, demain Grégory, hein, y aurait les albums de Chuck, hein, pour moun qui brèche génération mieux, Raven Family à un certain moment, et Grégory au sein de Raven Family jusqu'à présent, il y aurait les yeux Chuck, hein, mais y aurait les Grégory. Grégory et avec Robert Volsi, avec Pian Fresh, avec Don Crazy, avec Steve Kidd, hein, Steve Kidd qui grandit entre temps. Et il fait bel clip ça. Catherine Desmarates, il même pas dans Rap & Family encore, mais c'est membre fondateur Rap & Family, même s'il pas chanté dans le groupe là encore. Mais Catherine, pour comme membre Rap & Family, là dedans, il a toujours là. Et yo fait bel clip ça que nous ouais, et son clip franchement qui sorti de l'ordinaire là, monde rap là. Mais moi-même mon petit bail qui sous attire attention là parce que souvent me dit il faut que j'en parle à mes téléspectateurs. Ce sera même un sujet à Zile Variété, un thème du jour si vous préférez. Haïtien pareil moi, natif natal, 100% local. A déclare en tout navem souti majo sans la musique. On allait pour nous voir dernière image nous trouver dans clip production et national Rap & Family. Pendant que groupe là pas gagner pour nous voir ça, peut-être on va voir chaque jour tout, mais permettez-moi attirer attention pendant la deuxième transilien, citation à venir mais toute cause est bon pour parler. Et nos invités sont en train d'arriver. Ah, Richel, d'accord. Imaginons que ou même haïtien, moi même tout, suppose a déclare font camper là. Et à terre a besoin oui là OK qui ça nous wè comme image est-ce que nous pas remarquer tout ça qui pral en dans vente nous c'est à terre nous mettez le marché a déclare font quitter image déroulé banane na terre yam na terre carotte la terre tout bagaille ça yo à terre c'est pas groupe l'fèl mais poser tête nous question nous-mêmes comment nous faire réfléchir comme ça. Si vous avez un macho, vous avez un vendement de banane. Vous avez un terre pour prendre. Un patate, à terre pour prendre. Un petit piment douce, à terre pour prendre. Combien de pistes, madame? À terre pour prendre. Un petit tomate, à terre pour prendre. Mais, faites l'inverse. Madame, combien de crèmes? La vire d'elle, la prenne son étagère, la bao. Madame, combien de cheveux? Parce que ma chérie ici, c'est molle, nous tout. La vire son étagère, elle prend le bao. Madame, s'il vous plaît, ou pas une permanente? La prend en lait, en côté propre, en côté pas en soleil, pour le bas. Ça m'a toujours intrigué. Et m'a toujours dit, comment nous faire réfléchir comme ça? Si vous avez quelqu'un qui a aidé à jouer une solution, ça, bon, c'est pas résoudre un pile problème. Parce que ça qui est l'invente, nous avons supposé plus important que ça qui est sous peau nous, ou bien sous tête nous. T'as coup cheve, t'as coup crème, t'as coup permanente, t'as coup l'autre bagaille futile, bijoux, etc. Mais manger, c'est à terre pour nous prendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment nous réfléchir? En tous les cas, son thème du jour, il y a l'anzilé. Tout ça qui parle l'invent à terre, tout ça qui parle l'autre côté en lait. En changer bagaille, en faire au droit. Parce que ça, son parti l'envers. C'est l'autre sujet. En tous les cas, Tiflo est là. Maïbou Isabo Kami, comment vas-tu, Tiflo? Ça va, et toi? Ça va la vie? Oui, ça va. T'es telle une reine, ma chérie, ou belle? Merci. Dommage, Radza, pas bon pour moi. C'est longtemps pour moi. D'a pleuvé ça. Oh, en parlant de Rad, je veux remercier une amie de façon particulière. Elle s'appelle Rojna Exantus. C'est une amie sur Facebook, c'est une amie d'autres amis, c'est une amie formidable. Rojna ne vit pas en Haïti depuis une quinzaine d'années, mais Rojna m'a fait une agréable surprise. Habituellement, quelqu'un te donne une seule robe ou t'habille une seule fois, tu es en liesse. Rojna veut un mal-être pour moi. Et ça me fait vraiment plaisir. Je porte l'une des robes que Rojna m'a gracieusement offerte. C'est sa contribution à Zile Variété. Voilà. Merci beaucoup, Rojna. Merci, merci, merci. Qu'elle est content, qu'elle placard, content tout. Voilà. Zile, nous laguer le Cotiflo. Bon, ça va ce matin. Laisse-moi dire bonjour à mon peuple et bonjour le peuple. Il te manque quelque chose. Quoi? Your smile. Non, mais. Smile, try. Hein? Voilà. Try again. Voilà. C'est quelque chose de contagieux.
Voilà, Tiffé. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue les îles variétés. Bonjour, Fakel. En 23 août 2018, c'est la journée mondiale de la traite négrière et de l'abolition de l'esclavage. Si j'ai peut-être l'allure de cette reine que je suis, oui, c'est jeudi hein, que d'après 14 août 1791, ça, après cérémonie Bois Caïman, Boukman Delagué, et justement, côté pour tout le monde, le 23 août, c'est jour que UNESCO lui-même l'y choisit pour le faire journée mondiale de la traite négrière et de l'abolition de l'esclavage. Déjà, oui. Mabdi, nous bienvenue dans une grosse journée comme ça. Pas oublier rendez-vous à Kassepita dans la cour BNE, Bureau National d'Ethnologie, sous Chan Masla pour nous célébrer ensemble avec Beauté Créole Haïti, Association Culturelle ça qui pote pour nous Festival Mémoire Collectif là pour nous célébrer une grosse journée ça. Bienvenue tout le monde et puis son plaisir pour nous retrouver nous matin. Son plaisir tout petit Flo, pas grand-quin problème. Ou qu'on qui proverbe jeudi hein? Non, et téléphone moi. Presque tout non. Bon presque là, tout non. On on. Oui, il est bon même. OK. Proverbe jeudi en lundi, jeudi proverbe la caille. Mm-hmm. Nous te disons mes téléspectateurs ça. Jeudi on décidé avec peut-être toute ça gagne la culture nous pour me rallon on est-ce qu'on bête? Oui, on bête. Un mammifère que nous consommer en pile hein. Mais comment nous elle la culture la caille, c'est le bœuf ou la vache? Je dis, on a parlé de bœuf sur toute la ligne. Proverbe, je dis, on dit, bœuf te dit, il t'a pris sale savon, et puis c'est quel li sale. C'est une nan yo. Mais quand pile l'autre variante avec mot bœuf, là, qu'il dit la caille, c'est ça nous pralouer. Avant même. Qui veut dire même bagay ou bien qui veut dire l'autre bagay? Et qui veut. Alors, c'est comme pour le chien, c'est comment nous well nous-mêmes. Okay. Ok. Comment on voit ça dans notre culture en Haïti? Bamba nou ti idée jusqu'à présent madame messieurs nan zile variété matin an côté nou lagé jeudi proverbe la caïla et nou pral passer nan citation du jour. Le thème du jour concernant citation et proverbe c'est l'ambition. Ambition gros parole ça peut être vu de deux façons mais qui te me dit nou pour vache yo ou bien pour bœuf yo qui ça yo dit bœuf qui gen ke long pa jambe di fe vous entendez ça oui me rendre des bêtes bœuf c'est bon des bêtes qui gagne pas jambe dit ah bon en général quoi moi même toujours t'as des bœufs parce que yo dit bœuf qui gagne petit bœuf grand moun bon quand t'as des bêtes oui, mais bœuf là sont bêtes heureusement me dit bête là commencer en généralement yo dit bête qui gagne que pas jambe dit OK belle pas jambe dit savant bœuf pas jambe dit savant merci bon ça oui OK bœuf pour savant pour il y a des mêlés yo bon Dieu pousser mouche pour bœuf sans que ou couche sous beau peau bœuf là ou pas parler le mal bœuf net aller madame monsieur mais proverbe là ou pral gagner pour réfléchir sous lien c'est bœuf dit il pral sale savane c'est qu'elle li sale comment elle moi qu'on connaît en tous les cas faites vos jeux rien ne va plus numéro yo nous connaissons pas cœur déjà la preuve vers 1h ou 2h du matin je reçois des demandes pour y variété donc son numéro m'a même besoin répéter encore c'est sûr. C'est connu. Citation du jour, ambition sur toute la ligne, madame, messieurs. J'ai dit proverbe la caille dans Zilea, bef te dit le tabal sale, savon. Et puis c'est quel li sale. Et puis, nous voyons tout dans la rubrique Manger pays. On ti boisson, tu savais pas ça, Flo? Oui, tu viens d'annoncer avec Brady. Boisson, oui, Brady. Même beaucoup qu'on non boisson. Hein. Brady, beaucoup arrivé. Dernière fois, c'est ton zombie. Zombie. Comment t'es encore? Au goût ferraille avec. Non, t'es comme un zombie, tel bagay. T'es comme boisson, t'es un zombie. Oui, qui t'es les zombies, quoi. Oui. De toute façon, j'ai zombie qui ça, même. En tout cas, nous, par contre, ça, nous allons inventer, quoi, ça. Mais sauf ça, nous connaissons. Nap là pour nous goûter pour vous. On va goûter pour vous, madame, messieurs. Avec plaisir. Avec générosité. Voilà. Citation du jour, Asile et Variété. On va parler d'ambition. Ça vous dit? Elle peut être saine aussi, l'ambition. On va le découvrir tout à l'heure. Restez dans notre vie. L'occasion d'ouvrir son esprit, de poser un nouveau regard sur le monde et même pour nous aider à rêver, pour nous réconforter et nous mettre du baume au cœur, aujourd'hui, demain et après-demain, on aura toujours besoin d'une citation pour rire, réfléchir, s'étonner ou s'amuser. Voici la citation du jour pour dynamiser ou booster votre vie.
tu es là. Ah, je suis là. Merci, Floriane. Nous y sommes, madame, messieurs. Citation du jour. On va parler d'ambition, comme on l'a dit tantôt. Et pour l'avoir été, et une fois qu'on l'est dans la vie, on le reste pour toute la vie. Hein, être scout, toujours prêt. Je vais chercher du côté de celui-même qui a inventé ce mouvement noble qu'est le scoutisme, Robert Baden-Powell. Cette première citation du jour sur l'ambition qui dit « Que ton ambition soit de voir non pas ce que tu pourras tirer du travail, mais ce que tu pourras y mettre de toi. » Je reprends. Que ton ambition soit de voir non pas ce que tu pourras tirer du travail, mais ce que tu pourras y mettre de toi. Robert Baden-Powell. Avec Floriane, on va voir à l'instant même, avant même de passer au second, qu'est-ce que tu y en penses? Oui. Alors, ce matin, voici M. Baden-Powell. Baden-Powell, oui. Donc, qui dit l'ambition? Qui dit que ton ambition soit de voir non pas ce que tu pourrais tirer du travail, mais ce que tu pourrais y mettre de toi. Voilà, eh bien, c'est pas ce que... Alors, il nous invite encore une fois à peut-être considérer ce proverbe ou cette citation orientale de Confucius. Oh oui, je semblais. Je parle de cette... choisir un travail que tu aimes et que tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc, c'est une façon de dire que ne compte pas sur ce que tu peux tirer du travail, soit financièrement, soit socialement et tout ce qui va avec, mais ce que tu peux ou toi-même apporter à ce travail dont tu tiens, quoi. Mm-hmm. C'est comme nous a dit Kennedy, qui dit, ne demande pas à ton pays ce qu'il peut t'offrir, mais plutôt ce que tu peux offrir à ton pays. Alors, je ne suis pas fidèlement là. Ne demande pas fidèlement. Oui, mais c'est l'idée. Pas moins de ça paye au café pour ça paye, mais plutôt qu'il soit au café pour payer. Donc, c'est une façon pour le dire que travail ça, que peut-être chaque matin, on va mettre à dessous pour aller à pas lever avec automatisme, ça, comme si pour lever. Et oui, parce que c'est comme ça pour faire de 8h ou 4h, de 9h à 5h, comme si on va lever et comme automate, elle fait son gain pour faire. Mais non, toujours lever avec toute passion, avec toute énergie qui m'en dé pour ça, et certainement avec toute bonne humeur ou bien tout ça qui a encouragé les gens qui ont fait le même travail, ça, rendre le travail meilleur, tout comme nous-mêmes, on peut le porter pas pour rendre meilleur, tout pour yo. Donc, c'est comme ça. Et Baden-Powell, le matin, lui-même, il invite nous à justement chercher pour voir qui ça, notre travail ou capoter plus. Parce que, n'oubliez surtout pas, ce que tu donnes, ce que tu donnes de toi-même dans n'importe quelle activité, à quoi, dans notre travail, dans nos relations, les compter parce que surtout par exemple dans relation amoureuse, il s'agit pas d'une personne mais de deux, donc concession, entente, complicité, tout ça c'est youn à Claude qui mette main qui fait bagarre la pral belle, et à chaque fois où mette main puis bien c'est à chaque fois où run situation où run et côté où passe ces moments où run agréable et pour vous et pour mon qui beaucoup là, donc c'est comme ça moi-même moi comprendre ça. Et Baden-Powell, les mêmes matins. Merci, Tiflo. Je t'en prie. Ok, Floriane, si bien la gueule là, moi-même, ou quoi, je vais te faire un peu de sauf que moi, je Baden-Powell en pile. Hein? C'est un mouvement qui permet au monde hein, le scoutisme. Je regrette que je me dis. Oui, je salue sous le texte à Nadège, car justement, que chaque matin, nous citons ici en éphéméride, qui lui-même, c'était. Il y a un scout qui m'était connu dans l'école qui était intégré et bon, alors l'école là t'es obligé de rentrer dans le scout là tout ouais. Et chez madame Cajuste à Pétionville chez mamie Tété et paradis des petits, donc il était invité au faire ça et Nadège c'était une chef-tête qui t'a voilà. Dirigé justement un groupe Louveteau et tout le monde qui t'a fait entrer dans le mouvement ça voilà donc, moi ça, j'étais chef-tête Cajuste de la 10e compagnie mais j'ai commencé toute petite, j'ai été Jeannette. C'est guide de la Mège. Donc, c'est des mouvements qui forment la jeunesse et que nous déplorons, hein, pas gain trop. Toujours gain scout, oui. Toujours gain.
toujours gagné, sauf que engouement que t'es gagné, on t'es joint plus jeune, on t'es qu'on a l'encan, oui. T'es gagné mouvement mèche et dans l'école, etc. Mais c'est ça, on t'es exigence tout, parce que éducateur, éducatrice, même t'es gagné rôle par yo, ensemble avec parents yo, que t'es mettre meilleur ensemble pour qu'ils t'aient vu faire que travail là, son travail qui bien fait, bagarre là fait plus bien quoi. Et puis intégration dans la société a été faite plus bien tout, parce oui, que oui, t'es vu une certaine valeur, une cohésion sociale qui vient faite. Gagner échange justement et puis pas de bien à faire de comme si tout le monde la donne oui à faire pas petit bon oui, et tout ça pas de challenge ça yo qui pas respecter les normes et quoi. Pour lever comprendre ou à l'encan nous toutes issues de familles diverses nous vivons côté nous font tant et nous monter tente nous prendre faire manger dans bois nous prendre faire franchement c'est oui m'encourager tous les parents qui bien petit et on pas besoin de peur quitter petit toi long mouvement tant que le scoutisme mais là c'était pour parler de Baden-Powell ne nous éloignons pas c'est la citation du jour oui. Baden-Powell qui dit que ton ambition soit de voir non pas ce que tu pourras tirer du travail mais ce que tu pourras y mettre de toi Baden-Powell dit ou ka gen ambition gen bon ambition gen mauvais ambition tout qui mène on fait mauvais bagaille ça nous va louel après Baden-Powell dit ambition là li supposé l'arrivé pour faire un travail, m'a dit l'arrivé non travail parce que il vient plus sembler un monde qui a ponché. Même moi, dans le sens, dans quel que soit ce fait, que c'est travail avec moun, que c'est travail avec tête ou, que son entreprise dans cousi des variétés, hein, qu'on crée, que c'est l'on bureau pour le travail chaque jour, que c'est la caille ou a fait manger, ou bien. Quel que soit son affaire, depuis son action qu'on relève le travail, parce que le travail, c'est d'abord une dépense d'énergie, avant même de voir ce qui va tomber dans tes poches. Il y a des gens qui disent où est le travail, où est l'argent. Madame Powell dit non. Ambition, pas supposé. Oh, on va le travail là, oui, combien de bam là par mois? Ambition, pas supposé combien on va le toucher. Ambition, c'est qui soit pour le mettre de où? Dans ce qu'on va le faire. C'est ça qui va faire la différence. Donc, moi, j'adore cette citation. Et pour dire même, cette citation, elle fait tapisserie dans ma vie. Vous voyez, c'est comme ma peau. Dans mon travail, je n'ai pas souvent tant de temps à me joindre. Je peux me mettre moi-même là-dedans. Apparemment, ça me réussit. Bon, peut-être pas en espèce sonnante et trébuchante, mais on attend la suite. Voilà, madame, messieurs. Deuxième citation, toujours ambition. Celle-ci, Floriane va tomber dessus à pieds joints. Vous allez voir. Il s'appelle Eric Mortensen. Non, on se calme, Franzi. Eric Mortensen. Voilà. M-O-R-T-E-N-S-E-N. Eric Mortensen, Floriane, il dit ce matin, l'ambition est comme un médicament. Il faut en prendre la dose prescrite quand elle peut être soit bénéfique, soit nocive. Mm-hmm. C'est vrai. Ça c'est quand ça devient, par exemple, tant qu'on dit ambition, on prend sous deux aspects. Premier aspect qu'on apprend là, c'est justement ambition qui a pour avancer, qui a permettre mon petit beaucoup trop avancer tout, parce que et où viser on, par exemple, un projet, où viser réussite li, où travailler pour réussite li, ça demande de l'ambition, ça demande de la volonté, et ça demande aussi de la détermination. Nous qu'a dit ambition, certainement, c'est ça lié tout. Et l'autre aspect qu'on a pris ambition, c'est le par exemple, on a une ambition qui a dit noire. Alors, moi, je dis le comme ça, mais c'est comme ça. C'est un bagage qui est nocif, j'en ai dit le bon médicament. Dans le créole, il y a le gros lambi. Gros lambi, si on a dit le comme ça. Ouais, mon nom, on va connaître ça, y'a le voilà, mon qui est gros cœur par rapport à ça, on a possédé. Ou bien à ça, on a fait. Elle a été là, même là, quand elle était passée là pour le gros machine ça. Pour un gros lambi. Ouais, ou pour ta gueule. Quelque chose à mon fait pour ta gueule, ça, ou même moi pour reprocher, ou bien on t'a remis, mais mon deal sur l'autre forme, non? Quelque chose à mon affaire, ça dépend de choix, mon. Tout comme même on choisit pour dire mon, pour parler mon mal ou bien pour elle mal. Donc, c'est ambition ça, yodou, et son médicament lié à. Là ou même, ou nourrir ambition pour le tourner, yon. Comment tu as dit pour le bénéfique pour tout le monde qui a fréquenté ou qui beaucoup tôt li pi bon mais là prend le sens ça quand vous golan bien pour gain reproche ou à faire par rapport à travail au monde peut-être pas même connaît ou pas connaît qui ça monde fait et quelque chose ça t'a fait
cela dépend de monde. Et puis ça te creuse aussi à l'intérieur, ça te rend toxique, ça te rend amer. Mais la plupart du temps, monde qui nourrit ambition ça, que n'a pas les aspects ça, c'est des monde que les reflète sur eux définitivement, les reflète soit dans visage, soit dans comportement, soit dans gens. Tu peux saluer le studio 2 pour moi s'il te plaît? Oui, soit dans gens y a parlé, soit dans gens eux même, ils vivent la vie quoi. Ce sont des personnes qui ils prennent plus de temps pour yo critiquer, pour longer droit sur ça on monde a fait, ça on monde a vivre au lieu que yo prend même temps ça peut-être pour prendre énergie ça. Vous occupé à faire pas. À faire pas. Voilà. Bon ça c'est un côté de l'ambition. Mais allons-y du côté de la saine ambition. L'ambition de mener à bien sa vie. L'ambition de terminer ses études. L'ambition d'embrasser une carrière. L'ambition de faire zilé variété. L'ambition, elle peut être un leitmotiv sain. Lika boosto, lika met jevrin nan ou pour aller plus devant pour faire bon bagay. Mais l'ambition, elle tourne en bagay. À tout prix, je le veux, sans rien y mettre de positif, ça devient nocif. Et vous risquez peut-être, comme un venin, de vous empoisonner la vie, mais aussi d'empoisonner la vie d'autres que vous jalousez, juste parce que vous ne savez pas. Moi, je dis souvent à d'autres, avant même de me critiquer, mettez sous les pommes, l'ampio, passez en route, ne dépassez pas. Passez dans un gré, mon sou bouteille, tout bagaille ça. L'offre fait route, non, laisse ça, ouadjon bagay. Mais pour le moment, il ne suffit pas de regarder et de dire, oh, mais tu tiens, c'est. Bref, l'ambition, c'est deux bagay. C'est un douce, un chaud. Il y a propulsé, mais il y a mis au juste en bas tout. Comme on l'a, même pas qu'on est. C'est lancé, c'est fait pour ça, les citations. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Tant que hier, Floriane avec moi était d'accord. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne peut pas empêcher nous qu'après, nous venons entendre nous, madame, messieurs. Entendre nous. Zile, Naptounen, des annonces, citations et proverbes. Il y en a eu deux. Je vous les rappelle. Au retour, je salue tous mes amis qui sont là sur le live Facebook. Makome, Mimi de moi. Des annonces, Zile, variété, madame, messieurs. Deux citations pour le faire. On a eu Robert Baden-Powell qui a dit ce matin que ton ambition soit de voir non pas ce que tu pourras tirer du travail, mais ce que tu pourras y mettre de toi. Robert Baden-Powell. Deuxième citation. Avec Eric Mortensen qui dit « L'ambition est comme un médicament. Il faut en prendre la dose prescrite car elle peut être soit bénéfique, soit nocive. » De quel côté êtes-vous? On revient. Vous venez de suivre la citation du jour pour dynamiser ou booster votre vie. Je suis Caresse Photo, artiste musicienne camerounaise. Je vous invite à regarder Zilé Variété sur télé Kiskia. Yeah, c'est Blaze One VT. N'a dit tout le monde branché Zilé Variété du lundi au vendredi entre 9h à midi. Émission Paula, émission Jeunesse là. Zilé Variété. Aïe. Qu'il soit inspirant si retourne, c'est là dans la jambe passe ou agaçant. L'homme a fait vicier pour vivre, ça va vous en masse. Un proverbe ne laisse jamais indifférent. Et ça, c'est déjà la clé du changement. Ouverture de l'esprit, acceptation des difficultés, éveil à la conscience, sagesse ancestrale. Un proverbe, c'est aussi tout ça. Voici le proverbe du jour. Zami pressé couteau de voler loin, c'est l'argent serré tout ça qui clairé par l'or pourtant tout ça qui l'éclaire. Le proverbe du jour, madame, messieurs, oui, c'est avec cette belle outil Flo. Merci beaucoup que nous avons retourné sur le plateau. Et oui, si vous faites brancher, c'est que nous aimons rappeler ou suivre les variétés sur Télékiskia chaîne 14. Et puis bienvenue dans la rubrique ça. Et restez avec nous si vous faites venir, si vous habituez ou qu'on n'a qui partie nous, c'est la deuxième partie. Hein. Alors je veux dire après la citation du jour, qu'on a le proverbe là. Et si vous faites venir, restez là avec nous parce qu'il y a plus encore cap vini. Deux proverbes pour ce jeudi 23 août 2018, madame, messieurs. C'est un proverbe
proverbe chinois qu'on vous apporte et une sagesse tibétaine. Voyons voir du côté chinois, ça nous dit « Nourrir l'ambition dans son cœur, c'est porter un tigre dans ses bras. » Ouh, ça fait peur. Oui, c'est un proverbe chinois, je répète, « Nourrir l'ambition dans son cœur, c'est porter un tigre dans ses bras. » Qu'en penses-tu, Franzi? Nourrir une ambition dans son cœur, c'est comme porter un tigre dans ses bras. Je pense que ça ne s'éloigne pas trop de la première citation qui parle du médicament ou de l'autre version. Un tigre dans ses bras, ça peut être au départ un petit chaton qui ne menace pas, mais ça demeure quand même un tigre qui à n'importe quel moment peut te griffer, peut te sauter dessus. D'ailleurs, un tigre dans ses bras, c'est carrément énorme, ouais. C'est disproportionné. C'est déjà pour te dire que l'ambition trop grande, ça peut te dévorer. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tout comme l'ambition grande, mais bonne, ça peut être... Oui, ça peut te remplir, ça peut te permettre d'être plus bonne, plus positive. Ouais. Même toi aussi, nourrir des ambitions, comme on le dit, non saines. Hein? Au temps de date, monsieur là, sous Katia, avec là, côté de la machine, ça là, ou comment t'es, ou est de pourri, mais comme ça, ou risque qu'on gros tigre dans le bras, oui. Et puis il mange au tout. Tout à fait. Donc, des deux côtés, c'est l'équilibre, quoi. La balance, c'est. Oui. Et pour gagner. Non. Faire pas qu'il t'ait penchant, venir sous côté, comme si qui obscure, là, si on regarde ça comme ça. Ouais, on voit pour la sagesse tibétaine, ça nous dit un homme sans ambition est comme un navire sans destination. Un homme sans ambition est comme un navire sans destination. Je confirme aussi. Qui encore a dit, pour réussir, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Mais l'audace n'est pas ambition, forcément. Mm-hmm. Ça peut être vu d'être de façon. Mais concernant le proverbe là que tu viens, tu peux terminer, me donner la suite. Un homme sans ambition, voilà, est comme un navire sans destination. C'est comme quelqu'un sans idéal. Tu te laisses vivre juste parce que tu respires et tu te contentes d'exister. Alors qu'il y en a d'autres qui vivent. Tu vois, il y en a qui vivent. Et l'homme dit vivre, c'est pas tant que je n'ai pas au sens propre haïtien du terme. M'a vivre, m'a bien vivre. Non, je parle de vivre. Accepter la vie avec ce qu'elle apporte. Avec ses forces, ses faiblesses, on y revient. Et ne pas, par exemple, faut qu'on bagaille, faut qu'on but. Sans but, tu ne vis pas. Faut qu'on but, faut les matins lever ou qu'on bagaille, faut qu'on bagaille pour vous les faire. Faut qu'on projection dans pour semaine qui venir, ou pas gain idéal, ou pas gain prévision, ou pas gain projet, ou pas gain ambition, son monde qui mourir dedans. Donc l'ambition, comme on l'a dit tantôt, ça peut être vu de deux façons. L'ika bon, l'ika pas bon. Mais nécessairement, il faut être ambitieux. Parce que si tu n'es pas ambitieux, c'est parce que tu te laisses tout simplement vivre. C'est un monde passif. Et tout le monde qui est passif, on s'accrivait, il va passer sous. Aussi simple que ça. Tout à fait. Donc, c'est ça, cette sagesse tibétaine qui nous rappelle qu'un homme sans ambition est comme un navire sans destination. C'est nous inviter à nourrir de la bonne ambition. C'est comme ne pas avoir ce penchant pour le côté obscur que peut avoir l'ambition. Je reprends, madame, messieurs, ces deux proverbes pour les annonces et puis la suite de cette émission. Proverbe chinois, ce matin, nourrir l'ambition dans son cœur, c'est porter un tigre dans ses bras. Et puis la sagesse tibétaine nous rappelle qu'un homme sans ambition est comme un navire sans destination. C'est pareil proverbes. Pour une femme aussi. Tout à fait. OK, non, important. Ici, on dit homme, c'est général. Non, mais de ça, quoi? Ça indexe et les hommes. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, souligner, et les femmes, quoi. Préciser, affiner. Je sais que de façon générale, on dit l'homme en voulant y mettre la femme. Mais nous, femmes, on aime bien parfois se rappeler qu'on est seulement femme. Mais aussi, des fois, c'est même pas nécessaire, quoi. Moi, j'aime le côté général. Le côté général, peut-être seulement pour certains, à certains niveaux, il faut vraiment cette collaboration des deux sexes, voilà. Féminin et masculin. Et puis, tu sais, en ce qui concerne le fait qu'il l'emporte, ça a été revu depuis. Non. Ça a été revu, hein, on a arrangé ça. On a besoin d'en discuter. On a arrangé cette partie.
la majorité a parlé. Bien d'accord. Sûr, ça yo passé sous lit et me sûr que c'est parce que t'es un petit côté pas de financer réfléchi qui fait t'es lancé ça ou t'es lancé. C'est de l'argot de l'ancien français. Bien avant proverbe journée, madame messieurs, c'était bien sûr la rubrique proverbe du jour. J'ai dit proverbe la caille l'a vini tantôt, mais sinon c'est éphéméride là après la désannonce de cette rubrique. C'est tout de suite pour les éphémérides, on va remonter le temps. Ziléa, Mila, qu'est-ce passé là? Oh oh, Mila, non Ziléa. Ziléa, chaque lundi jusqu'à vendredi, nous toujours là. Mon bagage, Franzi, à la moule, reste mon yo, si me bagarre, je viens de Balouza, et puis nous. Ouais, nous même toujours branché Ziléa depuis lundi jusqu'à vendredi. Ziléa. Oh oh. Allez. Voilà, madame, messieurs, de retour à cette rubrique où on va remonter le temps ensemble. On va voir ce qui s'est passé le 23 août. Et puis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 235e jour de l'année, le 23 août 2018. Et il ne nous reste que 130 jours avant la fin de cette année 2018. Et nous sommes, bien sûr, à la 34e semaine. Bien avant de remonter le temps, madame Siméon va prendre le temps de saluer des amis que nous avons justement sur le net avec nous autres. Merci Tifle de moi. Sur la page Facebook Zilé, madame, messieurs, se retrouvent actuellement des Ziléens, Ziléennes dont nous sommes fiers. Karenzi Molière, hein, Pienate Prod, merci d'être branché Zilé, l'amour limien. Mirlande Ilophène Blanc, ma commère chérie depuis Florida, plus précisément Boyton. Ma commère sauvé Mbawel, même t'es content, ou t'es vin, même sous doué mon jupe toujours. Et puis, Astrid Désir qui regarde, Faniel Zéphir qui regarde, Rubria Vieux qui regarde, la déesse Zuzu, j'aime ce nom, qui regarde. Elle dit good morning la déesse Zuzu. Et il y a Duquesne Romain qui regarde, Francisca Joseph, bonjour. Junia Clairville, Florie, bonjour tout le monde. Tu as dit Junia, oui, c'est ta cousine, d'accord. Bonjour Junia, ma chérie. Il y a Henri Louis Yas qui dit bonjour. Johanna, c'est toute. Ça va bien, Johanna? Hein? Vous êtes Miss Boss, les Iléa? Bien passé. Point com. Après ça, on a Wenaël Clément qui regarde Harold Joseph, ou Erol de préférence. Erol Joseph, Margaret Noël, Franzi Siméon. Ça doit être la deuxième du nom. Parce que je suis avec vous. Voilà, madame, messieurs. Les éphémérides avec Floriane, tout ce qui s'est passé un 23 août comme celui-ci. Floriane va encore rester avec vous pour l'astuce du jour. Je la laisse avec vous pour les éphémérides et l'astuce, car je vais m'entretenir avec mes invités qui sont déjà là. Préparatif oblige. Il y a Manger Pays avec Hans Berry qui est déjà là avec ses deux hôtesses. Il y a aussi Frédéric Surpris qui sera avec nous sous peu sur le plateau des Îles et Variétés pour nous parler d'impératrice Haïti, voilà. Impératrice d'Haïti à venir à Zilé Variété bientôt avec Hans Berry qui peut ton bon petit boisson local pour nous, le goûter pour nous avec plaisir. Tiflo, joie de pour. Tout à fait. Eh bien, madame, messieurs, voilà, on va parler aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes le jeudi 23 août 2018. C'est le 235e jour de l'année, 130 jours avant la fin de cette année 2018. Et nous sommes encore à la 34e semaine. Voyons voir ce qui s'est passé, mais d'abord, voyons voir côté prénom. Qui fête aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous fêtons les Roses de Lima, ainsi que les Églantines, Rosette, Rosita, Rosie et Rosaine. Donc, bonne fête déjà à Sainte-Rose de Lima. Et c'est Rose de Lima qui fête aujourd'hui. Sainte-Rose de Lima, je n'ai pas de photos parce qu'il y a tellement de photos pour ce saint-là, dont moi-même, je préfère ne pas en montrer. Et puis, les Églantines. Églantines, c'est un beau prénom, ça. Déjà, bonne fête à toutes celles qui portent ce prénom. C'est Églantine, voilà.
Et puis Rosette, Rosita, Rosie et Roxane, ce sont des prénoms que nous trouvons ici en Haïti et partout dans le monde. Donc bonne fête à tout ce beau monde-là. Et puis côté breton, c'est Tête-Ville qui fête aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Eh bien, je dois vous dire que la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue. Dans la recherche, on dit aujourd'hui Haïti et République dominicaine. L'insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Tu peux toujours commencer à nous montrer les photos à déclarer. C'est ça. Voici déjà, madame, messieurs, la cérémonie du bois caïman. C'est justement cette cérémonie qui a débouché sous cette indépendance que nous avions eue. C'était le 1er janvier. Mais d'abord, madame, messieurs, et par la suite, le 14 août 1791, il y a eu Bookman qui a présidé, si vous voulez, cette cérémonie. Et oui, et de cette cérémonie, on a débouché sur notre indépendance. Mais ça, c'est bon, nous. Et Grand Jean, côté UNESCO lui-même, il était déclaré que 23 août, c'est jour pour célébrer Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Voilà, et puis je dois vous dire que la route des esclaves, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Ça, c'est le monument, madame, messieurs, qu'on a érigé pour cette date. Conformément aux objectifs du projet interculturel La route de l'esclave, elle doit offrir l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que dans une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Le directeur général de l'UNESCO invite les ministres de la Culture de tous les États membres à organiser des actions en associant l'ensemble des populations de leur pays et en particulier les jeunes, les éducateurs, les artistes et les intellectuels. Je dois vous rappeler, madame, messieurs, qu'aujourd'hui, justement, l'Association culturelle Beauté Créole Haïti elle-même a lancé cette semaine, si vous voulez, cette quinzaine de célébrations autour de cette date. Oui, nous avions eu le festival mémoire collectif, justement, dans date ça, qui était commencé depuis le 10 août, qui a abouti, je veux dire, 23 août, là, dans la cour bureau national ethnologie Chan Masla, côté nous pral rale menevini sous toute activité que t'es gagné pendant quinzaine ça, pendant nous-mêmes, nous t'avons gardé, qui ça que t'es passé, la route de l'esclave, c'était justement, nous t'es fait projection film, ça, lui-même, dans Yera, nous Dieu t'a fait débat avec lui, avec Kessler bien-aimé, qui lui-même c'est un photographe qui devine parler de ça. Nous t'ai Sterling Ulysse lui-même qui c'est vice-doyen Yera, qui devine parler de traite négrière lui-même dans la peinture naïve en Haïti. Nous t'ai Evelyne Trouillot qui t'a fait débat avec nous. Nous t'ai pile monde qui t'a fait débat, qui t'a participé avec nous. Nous t'ai même fait et justement séance marie-tête là comme d'habitude avec Beauté Créole Haïti lui-même dans café Copé. En pile activité t'a faite autour de la tienne. On invite l'autre fois encore si vous suivez les variétés, soit attendez nous là pour aller après-midi à partir de 5h dans le bureau national ethnologie pour aller commémorer avec nous gros date ça, parce que pas oublier nous-mêmes nous c'est premier peuple qui portait liberté dans le monde et pour qui pas, nous t'as supposé premier peuple qui a fêté journée ça, journée internationale côté Europe et commémorer souvenir traite négrière là avec abolition qui était commencé depuis le 14 août 1791 avec Bookman. Pas oublier avec Bookman tout est Cécile Fatima les mêmes prêtresse vaudou ça qui était ensemble avec Bookman qui était célébré et avec lui. Nous t'as parlé de parité tout à l'heure, nous pas oublier Cécile Fatima qui lui-même nous pas qu'à pas citer lui puisque nous pas qu'à citer Bookman pour ne pas citer travail femme dans tout dans grand journée ça. Mais l'autre fois encore m'a rappelé nous pour nous aller célébrer avec Beauté Créole Haïti dans bureau national ethnologie après-midi à partir de 5h en clôturé et festival mémoire collectif ça que nous t'ai lancé depuis 10 août passé. N'a pas toujours parlé, on toujours continue à remonter le temps, madame, messieurs. Eh bien, je dois vous dire qu'en 1791, ici en Haïti, justement, la révolte des esclaves de Saint-Domingue dans la nuit du 22 au 23 août 1791, les esclaves de la colonie française de Saint-Domingue se soulèvent
contre leur maître. La révolte est menée par Boukman, un prêtre vaudou, et Cécile Fatima, une prêtresse vaudou, qui, une semaine auparavant, avait préparé les esprits et conclu un pacte de sang durant une cérémonie vaudou. Cette révolte marque le début d'une longue période de prise en conscience d'émancipation et qui devait aboutir à l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. En 1998, l'UNESCO fit du 23 août la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition pour marquer le rôle déterminant de cette révolte, madame, messieurs, dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Je dois vous dire aussi, toujours en Haïti, eh bien oui, il y a eu un moment, je dois trouver la page... et qui parle justement, le 23 août, c'était en 1963, le Parlement convoqué en session extraordinaire accorde les pleins pouvoirs au président François Duvalier. Quelques mois plus tard, Duvalier s'autoproclamera président à vie avec le droit de désigner son successeur. Vous connaissez l'histoire, bien sûr, et pour remonter le temps, son successeur, c'était son fils, Jean-Claude Duvalier. On va continuer à remonter le temps, madame, messieurs. Oui, l'actualité dans le passé, je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est justement un 23 août 1864, c'était la création de la Croix-Rouge. 12 pays signent la première convention de Genève. En 1864, la Croix-Rouge internationale est fondée, réunie à Genève. Les représentants de 12 nations adoptent une convention préconisant que des équipes médicales neutres prodiguent des soins aux blessés et malades, sur les champs de bataille. L'organisme adoptera comme emblème une croix rouge sur fond blanc, l'inverse du drapeau de la Suisse, dont est originaire son fondateur Jean-Henri Dunant. Et le bâtiment, c'est justement le siège social de la Croix-Rouge internationale. Et malheureusement, on doit aussi annoncer cet accident de madame, justement le décès de madame Michaël Géléon Amédée, ou Amédée Gédéon, je ne me rappelle plus, c'est ça, madame qui, elle, était la directrice de la Croix-Rouge haïtienne, et elle fut aussi ministre de la Santé publique ici en Haïti. Elle est partie hier dans un accident de la route, sur la route nationale numéro 2, je crois, et justement, et beaucoup plus d'informations, justement, je vous apporte beaucoup plus d'informations dans quelques instants concernant ce décès. Nous saluons justement la famille Gédéon Amédée, et pour cette perte, une grande perte, la nation haïtienne salue ce départ, et bien sûr, Zile Variété et présente ses sincères condoléances à la famille. Voilà. Et puis, on va continuer, madame, messieurs, à remonter le temps. Voyons voir toujours l'actualité dans le passé et du monde. Décès de Abou, on va laisser tomber. Comme je viens de le dire, le 23 août, c'était la fête de Rose de Lima, première sainte du Nouveau Monde. Elle fut canonisée en 1671. Rose de Flores était la 10e enfant d'une pauvre famille espagnole de Lima au Pérou. Très vite, elle manifeste pour le Christ un amour si violent qu'elle multiplie les austérités. À 4 ans et demi, elle reçoit la grâce de savoir lire sans avoir appris, l'ayant simplement demandé dans la prière. À 20 ans, elle prend l'habit des tertiaires dominicaines. Elle se dévoue au service des Indiens, des enfants abandonnés et des vieillards infirmes. Morte à 31 ans, le 24 août 1617, Rose de Lima est la patronne de l'Amérique latine. Nous saluons justement les sœurs de Sainte Rose de Lima, justement, qui se trouve à la Lune, c'est ça? Et avec cette école, une si grande école, justement, qui a formé beaucoup de jeunes filles ici en Haïti. Donc, nous saluons les sœurs qui fêtent aujourd'hui. Et puis, en 1609, madame, messieurs, Galilée fait la démonstration du premier télescope. Son modèle initial avait un grossissement de 20 fois avec deux lentilles, une longueur focale de 927 mm et de 980 mm de longueur physique. Les deux premiers télescopes de Galilée sont exposés. Merci de nous montrer la photo de Galilée. Par la suite, la photo du télescope, madame, messieurs, exposée au Musée de l'Histoire des Sciences de Florence. Il y a un problème à l'éclat, on ne peut pas me montrer les photos de Galilée, ainsi des télescopes, ou plutôt des deux lentilles de Galilée qui sont jusqu'à présent exposées, madame, messieurs, au Musée de l'Histoire des Sciences de Florence. Malheureusement, on ne peut pas nous montrer la photo. En 1754, merci à l'éclat. Voilà, Galilée, madame, messieurs. Par la suite, les lentilles de Galilée exposées au musée, madame, messieurs, de l'histoire des sciences de Florence.
Voilà. Et puis, en 1754, ce matin, c'est un peu difficile pour Adécla puisque je n'avais numéroté aucune des photos. En 1754, madame, messieurs, naissance de Louis XVI. Louis XVI, Louis Auguste de France, surnommé Louis le Dernier ou Louis Capet par les révolutionnaires, né le 23 août 1754 à Versailles et guillotiné pour trahison le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution à Paris, est roi de France et de Navarre, puis roi des Français. Louis XVI est le fils dauphin. Ça, c'est Louis XVIII. Louis XVI est le fils, voilà Louis XVI, merci, est le fils du dauphin Louis-Ferdinand de France et de Marie-Joseph de Saxe. Il succède à son grand-père Louis XV en 1750. Ce que vous regardez là, c'est Louis-Ferdinand de France. Et par la suite, ce sera Marie-Joseph de Saxe, la mère de Louis XVI. Par la suite, voilà, vous allez voir le grand-père de Louis XVI qui fut Louis XV. Ça, c'est Louis XVI. Louis XV, madame, messieurs. Et puis, ça, c'est Louis XVIII. Et puis, Charles X. Voilà, Charles X, madame, messieurs. Merci, Adécla. Je sais que le travail n'est pas facile pour toi ce matin. En 1769, naissance de Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, dit Georges Cuvier, anatomiste et paléontologiste. Georges Cuvier, paléontologiste et naturaliste français, né à Montbéliard le 23 août 1769. Après des études en Allemagne, il rejoint la Normandie où il passera les années de la Révolution française à faire des recherches. Il intègre l'Académie des sciences en 1803, puis devient professeur au Collège de France. Il est à l'origine de la loi de corrélation des formes qui permet de reconstituer des squelettes. Il meurt le 13 mai 1831. Malheureusement, j'ai trouvé des photos extraordinaires concernant Georges Cuvier, mais les photos voulaient pas, justement, je ne pouvais pas les télécharger. 1797, justement, les photos des formes, des différentes formes qu'a justement découvert et Georges Cuvier, madame, messieurs. En 1797, dernière vente d'esclaves à Montréal, eh bien, Emmanuel Allen fut le dernier esclave à être vendu lors d'enchères publiques à Montréal. Il est également le dernier esclave à avoir été vendu au Canada, puisque, comme je viens de le dire, et on a eu l'abolition de l'esclavage grâce à cette révolution en Haïti. En 1879, madame, messieurs, le ukulélé arrive à Hawaï. Il fut amené à Hawaï par des immigrants portugais de l'île de Madère en 1879, débarqué là pour cueillir la canne à sucre. Voilà, c'est un modèle. Rapidement adopté et adapté par les Hawaïens, il intégra officiellement le renouveau culturel hawaïen promu par le roi David Kalakaua. Kalakaua fut le roi David au XXe siècle. Et je dois vous dire aussi, toujours au XXe siècle, l'ukulélé fut introduit aux États-Unis où la petite guitare rencontra le succès et un essor pour sa diffusion mondiale. Ça, c'était en 1879. En 1904, madame, messieurs, les chaînes pour les pneus sont brevetées. Et c'est Harry Dillon Weed qui invente les chaînes pour équiper les pneus des automobiles en cas de neige, comme vous voyez ici. Et puis, en 1912, voilà monsieur Harry D. Weed. Et puis, en 1912, naissance de l'acteur et danseur Gene Kelly. Bien que montée sur scène dès l'âge de 8 ans pour des spectacles amateurs, Gene Kelly préférait le sport et souhaitait faire partie de l'équipe de baseball des Pittsburgh. Voilà. Et puis, et en 1914, entrée du Japon dans la Première Guerre mondiale. Par la suite, je dois vous dire que c'était la naissance de Keith Moon, qui, lui, était le batteur du groupe de rock britannique The Who. Et puis, le porte-avions canadien Wyer s'échoue dans le Saint-Laurent. Et puis, il fut aussi, en 1948, ce fut la sortie du film La Corde. Ce film a la particularité d'avoir été tourné dans la continuité de l'action et dans un lieu unique, sans changement apparent de plan. Voilà, madame, messieurs. Et puis, aujourd'hui aussi, c'est la fête de Kobe Bryant, le numéro 24, le Mamba du basketball. Bien sûr, il y a des fans de Lakers ici, Los Angeles Lakers, bien sûr, et certainement de Kobe Bryant, le numéro 24, ce numéro fétiche que vous voulez, si vous voulez, de Los Angeles Lakers, ce groupe de basketball, cette équipe de basketball de préférence, madame, messieurs. Tout à l'heure, je vous apporte la photo de Kobe Bryant qui, ce matin, ne voulait pas télécharger non plus. Voilà.
Voilà, c'est la fin des éphémérides. S'il y a les amis qui fêtent, ce sera pour bientôt leur photo. Déjà, bonne fête à vous tous qui fêtez aujourd'hui. Pourquoi pas, si vous fêtez votre anniversaire de naissance, votre anniversaire de mariage, de divorce, pourquoi pas. Et certainement votre anniversaire de prénom. Ce que vous fêtez aujourd'hui, je vous dis bonne fête. C'est quoi l'affaire? On fête aussi le divorce, pour certains. Et puis, voilà, c'était la fin des éphémérides. On a remonté le temps assez bien aujourd'hui. Si vous voulez, bien sûr, remonter le temps beaucoup plus que moi, bien sûr, et savoir beaucoup plus ce qui s'est passé un 23 août, vous pouvez toujours consulter Google ou Wikipédia, tapez justement 23 août et ça va remonter le temps avec vous. Bien sûr, vous pouvez toujours regarder ou faire un tour sur la page de Radio-Télévision Vision 2000, avec les recherches de Nadège Cajuste et de Stéphanie Rico, que je remercie particulièrement ce matin pour leurs recherches. Et bien sûr, Haïti Référence pour remonter le temps ici en Haïti. Et puis, avec, comme je l'ai dit tantôt, Google ou Wikipédia. C'est la fin des éphémérides, la désannonce, bien sûr, pour l'astuce du jour ce matin. Je vous reviens. Du lundi au vendredi, 9h midi, sous besoin comprendre la vie, c'est là pour oui, ou avarie, ou réjouir, ou prendre plaisir, gen quelques paroles ou attendre qui ka fort attrister réalité, pays, c'est là qu'a parlé. Nous voulons tambour, pim 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 mes dilea, pim 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 pim, dile variété, pim 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 mes dilea, pim 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 pim, on branche. Aïe, aïe, aïe! Comment faire partir une tache tenace? Donner du lustre à vos bijoux? Réorganiser votre intérieur? Éliminer les odeurs dans vos appareils électroménagers? Voici quelques trucs et astuces qui vous faciliteront la vie. Il suffisait d'y penser. Cette rubrique vous y aidera. Conseils pratiques et astuces du jour? Des idées géniales et toutes simples. De retour, madame, messieurs, bienvenue à cette rubrique l'astuce du jour. Maintenant, nous allons parler de comment pour enlever cire bougie, cire baleine, si vous voulez ça comme ça, sous un meuble. Voilà. Eh bien, malheureusement, on n'a pas les photos parce que ce matin, on a eu un problème d'Internet. Eh bien, nous allons regarder comment nous avons fait ça, mais juste tendez, puis bien, pour nous faire ça. Eh bien, bougie, la plupart du temps, moi-même, la plupart du temps, moi, j'ai lu mes baleines. Et mes baleines, des fois, ils ont quitté cire, ils ont tombé. Des fois, ils ont tombé sous peau, hey, ça brûle. Et pour enlever ça, il faut juste laisser passer et puis après enlever. Mais pour les meubles, pour ne pas avoir des taches, parce que la plupart du temps, nous ne devons pas avoir de patience, nous allons chercher un objet pointu, soit un couteau ou bien une cuillère, on pointe un bagage pointu pour nous retirer. Un nouveau astuce n'a pas pour aujourd'hui, hein, ou qu'a fait le plus facile. Soit prend une toile qui a de l'eau chaude là-dedans, ou juste mettre le sous cire. Si nous avons ses cheveux, je ne vais pas les prendre comme exemple, parce que nous connais pas bail courant facile, donc ça arrive nous gagne ses cheveux mais nous pas gagne courant, alors ça nous laisser chaud là, nous ca gagne mais nous pas gagne courant, mais si nous gagne tout et gagne courant, nous ca toujours connecter elle et puis avec glo avec tissu ça qui imbibé d'eau chaude ça, nous mettez le soulier et puis nous lui met et sécher dans soulier et puis madame monsieur, je vous assure la décoller un de papa d'ab bien avant venir là avec moi essayer faire et ça marche. Donc c'est astuce du jour là, nous pas prêter trop parce que t'as des temps fait nous défaut, faut que nous aller. Et ben la prochaine fois je vous apporte des photos, j'espère bien sûr. C'était l'astuce du jour, comment enlever de la cire de bougie sur les meubles pour ne pas laisser de taches si vous voulez ou pour ne pas abîmer vos meubles soit avec un couteau ou un objet pointu. Donc moi ben nous astuce là c'est mouiller une toile avec de l'eau chaude. Et si gen courant, mais vraiment si gen courant, lumez ses choix nous, mettez le sous même tache ça, côté nous mettez étoile là sous cire bougie, hein, mettez le sous lit et puis lumez et puis la détachez automatiquement. Comme ça nous pas abîmer même nous. Voilà, c'est la désannonce et puis la suite de Zile Variété, c'est tout de suite après. Façon pour yo bay pression comme sous ilé yo gagne affection tu sous tension la nom yo parti. Oh 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 sous ilé
la joie. Ça c'est une façon pour yo bon bon gens. Voilà de retour, madame, messieurs, il est variété, jeudi 23 août 2018, proverbe journée, bef te dit, t'apprends sale savane, et puis c'est quel li sale. Dans jouet pour vous, c'est vers 11h30, ou pas le dit, nous sommes pensés de ça. Florian saute fait astuce et comédie d'abord. On a fait le pont en musique pour nous accueillir dans quelques instants nos deux invités du jour, Frédéric Surpris pour l'impératrice d'Haïti et Hans Berry Brady, lui, ça c'est pour la boisson locale. Ça promet asile et variété. On t'y aille, Bobo? Ça, ouais. On va le tourner tout à l'heure. Vous êtes chez Zile, oui? En pile l'autre bagaille pour le mini. Non, l'autre petit moment. Aïe, Bobo. À tout à l'heure. Haïti, mon pays, ma patrie, ou bien vite parler dans nos chéris. Tout samedi, yo sorti dans un caillou, tout loyau. Chantons même mélodie. Tout le monde est déjanté. Les mon
Yo, sous ces mafieux passés, pas de ce qu'on dessine. Regardez, créer mon tracé vie, pas besoin qu'on dessine. Il y a mon yo qu'on estime, sous façon qu'on exprime. Pas quitter monde pour un plaisir, rabaisser au sein décider. Même si atroce pour moi, comme la mère, m'invitez tout le monde branché. Zile Variété sur Radio Télé Kiskeya, chaîne 14, du lundi au vendredi. Chez Zilea. Zile variété. Zile variété. Zile variété. Zile, zile, zile. Zile variété. 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 Red Bache, zile variété. Zile variété. Zile variété. Ah, ça complexe. Garçon sous épaule, yo gen yon façon c'est mettre casson. Ça c'est yon façon pour yo bay pression. Femme sous zile, yo gen affection. Tu sous tension, la nom yo bati. Oh oh oh. Femme sous zile, 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 kon bay bon lambi. Poisson boucané avec mon piment. Ça c'est yon façon pour toujours camper. Garçon à combat pour yo pas tremble. La joue, ça c'est une façon pour y avoir bon gens. Rastafari stands alone. Welcome to Zile. Moi c'est Diva Reggae Haïti à Mirla. Branché Zile chaque jour, 9h pour midi. Je peux la chercher. Nous voilà de retour, madame, messieurs. Zile Variété, jeudi 23 août 2018. On continue avec notre programmation. Floriane vous a entretenu avec les éphémérides et aussi l'astuce du jour. On a continué, comme annoncé, avant même Andy Berry qui va faire sa boisson tout à l'heure. On accueille avec beaucoup de plaisir sur le plateau de Zile Variété pour la toute première fois, monsieur Frédéric Surpris. Un nom qui ne vous est pas du tout inconnu en Haïti, mais pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir. Et je le dirai en face de quelqu'un là qui est mon fils, mais qui peut-être ne le sait pas. Ce monsieur a connu ta grand-mère, hein, ma maman, qui a travaillé chez son papa. Et donc, c'est un vrai honneur quand tu as quelqu'un qui t'a vu grandir, quelqu'un qui a connu ta maman, qui n'est plus... et qui aujourd'hui, on peut collaborer autrement, ça fait vraiment plaisir et c'est un honneur. Bonjour Frédéric, bienvenue à Zile Variété. C'est un plaisir partagé, merci beaucoup et de cette présentation. Plutôt beaucoup, particulière. Oui, tout à fait, des détails. Il y a des détails que je garde pour moi, hein, on pourra comprendre. Mais moi, je t'ai vu grandir surtout en effervescence et en ébullition à l'écran. On dirait que ça n'a pas changé depuis. À l'écran, ah, à l'écran, non, je croyais que tu parlais de l'école. Non, grandir, tu as grandi comme toutes les jeunes filles de ton âge, en sagesse et en témérité un petit peu. Hein, mais à la télévision, c'est peut-être, je dis pas que c'est osé, je dis que c'est bien fait, oh, ok. C'est la bonne dose, jamais trivial, toujours un petit peu d'érotisme, c'est pas mal. J'aurais voulu que ma maman entende ça. Un petit peu de câlin, on dirait que tu es câline tout le temps, les téléspectateurs. Je suis plutôt câline. C'est bon, c'est ton style et ça te va. Et si tu apprécies, tant mieux. Oui. On ne va pas changer une formule qui gagne. Voilà, tout à fait. Frédéric, tu es là ce matin pour nous parler de l'impératrice d'Haïti. Oui.
C'est un spectacle. C'est un théâtre musical. C'est un théâtre musical. Tu reviens là, au devant de la scène, là, pratiquement. Je suis revenu depuis 2 ans, mais tu sais ce que c'est le théâtre musical. Moi, je suis le genre à innover tout le temps. Hein. C'est ce qu'on peut-être oublie, mm-hmm. peut-être dans ce pays. Et plus je me rends compte que le pays, ça, son bagage qui dure, parce que plus on fonce tête, nous dégringoler, moi, c'est plus que j'ai envie de sprinter. C'est plus que mon vie font dernier sprint. Font course 100 mètres et gagner une course 100 mètres. Ça. Et tu as du genre sprinter ou marathonien? Les deux, parce qu'il faut pour être un bon sprinter. Le bon sprinter, c'est qui fait le 100 mètres, c'est beaucoup de travail. Il travaille beaucoup plus que le marathon. Ouais, tout à fait. Parce que le marathonien amusé chaque matin à le monter, le lèvres, le poser, le marcher. Lui, il doit répéter ses 100 mètres au moins un millier de fois pour pouvoir faire le dernier sprint et être efficace et devenir. Usain Bolt ou bien Baron. On a parlé hier du Usain Bolt, regardez-moi. Ah, mais c'est un peu la situation, notre situation actuellement. Nous sommes un pays où c'est la chute des valeurs, c'est la chute de l'excellence. Mm-hmm. Et moi, j'ai innové. Le nivellement par le bas. Par le bas. Tout à fait. J'ai innové dans le domaine du théâtre musical pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est éducatif. La deuxième raison, c'est une bonne visibilité nationale et internationale pour notre pays, pourvu que cela se fasse professionnellement. Mm-hmm. Tu peux le voir déjà. On a les images à l'écran. Tu vois, à l'idée de faire des choses de la manière de Notre-Dame de Paris ou de la manière de Don Juan, les Haïtiens n'ont pas de rêve, hein, comme on va peut-être dire, petite machine, petits amis, ils voient tout en petit, moi je vois tout en grand, malheureusement. J'ai peut-être la folie des grandeurs, mais avec mes crédits et mon expérience, c'est ce qui vient avec. Ça ne peut pas être la fouille des grandeurs. Je fais de l'autodérision aussi. Je suis content de faire de l'autodérision. N'importe qui ne peut pas faire ça. Tu vois, mais là, dans le théâtre musical, je revendique. Je fais un plaidoyer national et local pour ce pays. Et je me rends compte qu'à l'intérieur du pays, Jésus était venu. On ne l'a pas reconnu. À l'intérieur du pays, ce plaidoyer pour Haïti n'est pas bien reçu. Je ne dis pas de la part du public. Il est très mal reçu par ce qu'on pourrait appeler les élites politiques et les élites économiques. Pourquoi? Parce que non, ça, c'est pas beau pour Haïti. Un opéra, un théâtre, une messe, la grand-messe pour Haïti, non, nous ne méritons pas ça. Ce que nous méritons, c'est les fatras, c'est les salubrités, c'est la corruption. Alors, quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Et cette jeunesse qui vient, cette jeunesse qui monte, qui cherche un problème, qui ne peut pas reconnaître, qui ne peut pas connaître qu'elles sont jeunesses d'ailleurs. La jeunesse ne sait même pas qu'elle est une jeunesse. Elle est déjà vieille, décatie, décadente. Ou comprendre et puis se laisser aller dans n'importe quoi, sans aucun rêve. Moi, je continue à cultiver. Sans aucune ambition, c'est notre thème du jour d'ailleurs. Oui, ça tombe bien, ça tombe bien. Sans aucune ambition. Oui, ils ont quand même une ambition. Même d'ailleurs, une fois, une mission, c'est ça, même d'ailleurs, là, comme challenge. Ils ont une ambition, le Bodeguet et le Tafia. Ah, ouf! Ça va les bails, Bodeguet, ça se bail qui fait mal, beau tête. Franchement. Et tout le monde sait que j'aime danser, hein? Oui. Donc, c'est pas faux fuyant, c'est pas pose, ma prend. C'est le contenu qui est infect. Ah, ben voilà, c'est beau, parce que tu devrais prendre l'exemple de ce que tu fais à l'écran, que je trouve très bien aussi, chaloupé, très chose, très stylé, très. Tu sais, ce que j'aime avec toi, tu connais tes limites. Ouais. Tu sais jusqu'où tu peux aller trop loin. Il ne faut jamais oublier ses limites. Du tout. On a vécu une société tête en bas. C'est peut-être ça. L'impératrice d'Haïti, tout à l'heure, m'a raconté une anecdote. Là, c'est peut-être ça. L'impératrice d'Haïti vit un exemple. Mm-hmm. Et c'est un exemple que certaines personnes ont peur de voir. Parce que quand ils voient ça et quand ils sont des autorités, des chefs, il y a un gros argent, un gros budget, ou bien politique, ou bien l'élite économique, là, quand ils voient ça, ils disent « Oh, garde j'aime l'aide. Mais monsieur a fait me paraître l'aide parce que comparativement à ce qui se fait, ce qui se dit dans l'impératrice d'Haïti, grandeur personnage, au texte, à musique, là, grandeur idéale, ambition qui est là-dedans de permettre à un pays de faire un ouf, enfin, on se redémarre, eh bien, tout ça, ça les dérange. Il faut continuer à les déranger tout le temps jusqu'à ce qu'ils changent de mentalité, parce que ce n'est pas nous autres de faire marche arrière, de changer de mentalité. Ah, ce sera toujours comme ça en Haïti, pas grand-chose comme changer, pas grand. Alors, moi, j'en ai marre, moi, je ne peux pas. Je suis citoyen du monde, citoyen de Paris, de Berlin, de New York, de Port-au-Prince aussi, malheureusement.
Quand je dis malheureusement, parce que c'est tellement sale, c'est tellement laid, c'est tellement vilain, tellement il n'y a pas de vie sociale, tellement il n'y a pas de vie politique, tellement il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie du tout d'ailleurs. Okay? Bon, on le sait, hein, le constat est navrant. Mais revenons à l'impératrice qui fait un ombrage. J'étais en train de revenir. Revenons à l'impératrice. C'est pour ça que ça se fait dimanche matin. Dimanche matin au mois d'août à l'espace culturel de Kiskeya. À l'espace Kiskeya, voilà. Donc. Je fais un dimanche matin au mois d'août parce que il se pourrait que dimanche en soirée ou samedi en soirée, qu'ils peuvent. Bon, alors, je veux contourner ça. Tu es devenu météorologiste en tout temps? Non, c'est l'expérience qui me donne ça. C'est la blague. C'est... Oui, il pleut chaque soir à peu près. Hein. J'ai oublié de dire aussi que Frédéric est docteur. Bon, je ne suis pas là pour ça. Non, j'ai oublié de dire. Je me suis fait soigner par toi une fois, petite. Ah, bah ça, c'est gentil. Si tu as besoin d'une rubrique médicale, tu peux en demander. Oui, à Zilé, la prochaine saison, on y travaille. Okay. On travaille déjà à notre prochaine saison. On aura une rubrique médicale. Donc, on va avoir quelques images de l'impératrice avec Adécla. Adécla, tu es avec nous. Alors, ça, c'est pour les photos. Si on peut aller côté clip, Adécla, le clip qui vient en support. Ça, c'est Alexandre Pétion qui chante « Je ne suis pas un comploteur ». Tu devrais me demander de te parler plus de l'histoire. Alexandre. Ça, évidemment, c'est les soldats et puis le magnifique décor du presbytère de la cathédrale où on avait joué pour la première fois. C'est quelle cathédrale, ça? La cathédrale de Port-au-Prince, la cathédrale qui est tombée. Mais c'est une petite chapelle à l'intérieur du presbytère, retapée, rénovée, reconstruite. Et cette chapelle date du siècle dernier, de plus de 100 ans. Et tu vois que ça fait très Moyen-Âge, très médiéval, très 18e siècle. Et il faut que je te dise, on fait ce spectacle-là parce que nous voulons que le public vienne avec nous, vienne communier. Qui ça que nous avons fait pour nous sortir de cette... Pour nous sortir finalement... Parce que ça, c'est du grand art. J'aime pas parler de moi, le moi est haïssable. Heureusement que hier encore, Madame Fombrun m'a écrit pour me dire de Moulin-sur-Mer, j'ai vu votre affaire, c'est vraiment du beau spectacle, c'est vraiment magnifique, il y a du potentiel. Mm-hmm. Et les gens de l'Union européenne étaient là, c'est la même chose. Il y a un besoin d'éducation dans ce pays, il y a un besoin de communion, il y a un besoin de créer une identité, de créer un autre pays. C'est en ébullition ces choses. Mais toi, quand tu fais tes émissions, je sens que tu ne le dis pas. Ou pas à dire verbalement, mais tacitement, je sens que tu communiques quelque chose de nouveau. Il faut respirer autrement, il faut chercher un autre bonheur. Eh bien, moi, j'ai trouvé ce bonheur dans l'impératrice d'Haïti. Et je t'assure, avec l'histoire qui se développe, moitié fiction, vraiment l'histoire, et une moitié fiction, parce que pourquoi moitié fiction parce ça que... parle de quoi hein? Parce que le temps nous est compté aussi. je dois recevoir un spirit qui va s'installer. Oui. Donc, si tu veux... Je dois d'abord prendre la pause. Il y a Hans Berry qui doit installer son bar. Il faut que je gère. Et le plateau. Gère. Et mon bar. Donc, Frédéric Siopri est là avec nous, madame, messieurs. Il vous parle de l'impératrice d'Haïti. C'est un théâtre musical qui devra se tenir ce dimanche matin. À l'espace Kiskeya, à l'espace culturel de Radio-Télé Kiskeya. De telle heure. Qui est le petit théâtre de 150 places. Alors, je dis aux gens, faites vite, prenez les quelques billets qui restent, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas fait pour beaucoup de gens. C'est fait d'abord pour communier dans un premier temps, dans un patriotisme qui se délétère que nous voudrions fervent. Voilà, c'est vrai qu'il y a un patriotisme délétère en Haïti. Nous le voudrions fervent. Alors, venez communier avec nous dans l'impératrice d'Haïti. Vous comprendriez si vous avez un peu le cœur haïtien, je le dis sincèrement, parce que je vois beaucoup d'Haïtiens qui n'ont pas le cœur haïtien, vous finirez par comprendre que vous êtes beau. Vous êtes bien et que vous pouvez faire de grandes choses. Super. La pause, madame, messieurs, car on va faire de grandes choses. Pour paraphraser, monsieur Frédéric Surpris. Restez des nôtres, à tantôt, Azilé. Voilà pourquoi ils en veulent. Voilà pourquoi ils en veulent. À sa vie, à sa vie. Voilà pourquoi ils complotent. Voilà pourquoi ils complotent. Pop.
l'opportunité de mettre Haïti sur le toit du monde. L'impératrice d'Haïti. L'opéra en 15 tableaux. Bonsoir. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'impératrice d'Haïti. Je viens vous parler d'Haïti. Je viens vous parler d'un spectacle, un théâtre musical, un opéra. Pourquoi pas? Parce que vous savez que l'opéra, c'est du théâtre. Hein, du théâtre mis en musique. Il y a différents types d'opéras. Hein. Folklorique, classique, semi-classique, opéra jazz, opéra style gospel. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai besoin que vous compreniez, que vous devriez participer et faire partie de cette expérience, qui est une expérience qui devra en référer à des productions mondiales importantes comme Starmania, Notre-Dame de Paris, comme Carmen de Bizet, comme Les Misérables de Victor Hugo. Tous ces magnifiques et gigantesques spectacles européens, nord-américains, eh bien, on va essayer, on va pouvoir faire pareil avec l'impératrice d'Haïti, l'opéra. Vous savez pourquoi ce projet ? Ce projet, c'est parce que d'abord, Haïti a besoin de ça. Hein ? Haïti a besoin de ses enfants, Haïti a besoin de lustre, Haïti a besoin d'être réhabilité. Et l'histoire d'Haïti, qui est un pays de très grande résilience et de très grande, j'ai envie de dire, commisération, compassion, parce que nous avons combattu aussi liberté, égalité, fraternité. C'était pas seulement la Révolution française pour les Blancs, pour les Européens, mais c'était pour tout le monde quand on a dit ça en Haïti. Et c'est l'une des premières raisons aussi des causes de la mort de l'empereur d'Haïti, fondateur de l'indépendance, parce que c'était presque anachronique, c'était presque une gifle, c'était un camouflet fait au monde occidental. Et en 1806, le complot était partout. Donc c'est notre histoire, c'est l'histoire des Blancs comme des Noirs, c'est l'histoire du métissage. Et on a besoin de tout le monde, de tous les Haïtiens, des amis d'Haïti, de ceux de la diaspora, comme de ceux d'Haïti qui comprendront que nous pouvons, avec une production pareille, semblable aux grandes productions mondiales, je viens de citer quelques-unes, nous pouvons aller faire de la publicité pour notre nom, le nom précieux d'Haïtien, pour les Haïtiens, pour nous, pour Haïti, qui doit être réhabilité à travers cette histoire de la liberté assassinée, à travers cette histoire de l'impératrice d'Haïti, qui est une femme, une militante des droits de l'homme, une militante de la libération de la femme, de l'émancipation de la femme, une militante de la démocratie, une militante du métissage culturel et de la paix mondiale. C'est ça l'histoire d'Haïti. C'est important que nous ayons pu arriver à mettre tout ça par des textes bien agencés, bien ficelés, dans une production qui s'appelle L'impératrice d'Haïti, et tout ça mis en musique avec la collaboration de beaucoup de gens, de beaucoup de bénévoles, notamment avec la collaboration de ceux-là qui nous filment maintenant et qui nous donnent l'opportunité d'être sur GoFundMe pour que vous puissiez voir, vous et vos amis, dites-le, allez regarder, allez écouter ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, allez voir comment vous pouvez être utile à Haïti, parce que cet argent, l'argent que nous allons recueillir, parce qu'on a quand même besoin un peu d'argent pour le faire, 15 chansons, 15 textes, une mise en scène, des costumes, vous verrez des images tout à l'heure, la musique, la scénographie, la production, la diffusion mondiale, on pourra aller partout avec ça, en Europe, en Amérique, dans toutes les grandes villes francophones, en Afrique, et sans représentation, 1 million de spectateurs, c'est quand même 40 à 50 millions de dollars dans les coffres d'Haïti pour la jeunesse haïtienne, pour créer des emplois, pour permettre le développement de ce pays et vraiment de cette jeunesse qui a besoin d'être encadrée, qui a besoin de références, qui a besoin de trouver des emplois et de se développer. C'est tout ça notre projet, l'impératrice d'Haïti. Et là, je vais vous lire un texte chanté, bien sûr, dialogué. C'est l'impératrice et l'empereur qui dialoguent. Et elle dit, c'est elle qui parle d'abord, moi, impératrice et missionnaire, j'aime et je sème dans tous les cœurs de l'Empire d'Haïti, le bonheur enfin d'avoir un pays. Je vous aime et vous me le rendez bien. Sujets et compatriotes, entre vous et moi, c'est un secret bien gardé, même de l'empereur, au grand jamais, je ne vous quitterai. Ça a des accents un peu de Vita Perron.
le musical aussi, d'ailleurs, le théâtre musical, on aurait pu appeler l'opéra aussi, comme fantôme de l'opéra. Eh bien, vous vous souvenez, Madonna et Antonio Banderas, dans cette magnifique prestation somptueuse, prestation d'Evita, de musical, ça a des accents d'Evita. Et je vous assure que c'est quand même une histoire nègre, c'est une histoire haïtienne, c'est l'histoire du quart de l'humanité, puisque les Noirs, l'Afrique et les Noirs, nous formons déjà à peu près un quart de l'humanité, sans compter l'histoire de tous ceux qui sont des métis, qui sont métissés, qui sont pour le métissage culturel, qui sont pour la paix dans le monde. Et puis, l'empereur arrive et chante aussi, et dialogue, et lui et répond à l'impératrice, « Ce soir, je vous trouve plus belle, c'est que l'amour me donne des ailes. Il y a Roméo et Juliette, il y a Tristan et Iseut. Aujourd'hui, Claire Heureuse, bon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, notre empire nous appelle. » Et elle continue, « Bien le bonjour, mon héros, mon prince, mon empereur, vous êtes le bienvenu. Les voyez-vous, mon peuple, le vôtre et le nôtre, soudés à notre joie, ad vitam aeternam, pour la vie. Vous êtes bien optimiste, majesté. Votre charisme et votre influence sur cette race d'hommes, hommes et femmes, ne doivent pas vous aveugler et vous rendre imperméable à la haine et au complot, car déjà il est bruit que des factions en armes rebelles et mijotent l'indicible parricide, régicide et fratricide, d'où la nation ni la race ne pourront en sortir indemnes. » Car, et l'empereur de répondre, « Ce soir, je vous trouve belle, c'est que l'amour me donne des ailes. Il y a Roméo et Juliette, il y a Tristan et Iseut, aujourd'hui, Claire Heureuse, notre empire nous appelle. » Et elle continue pour dire, « Ce soir, je me trouve, mon bien-aimé, d'une passion triste et frivole, au milieu de la tourmente et des reniements. Que peut faire l'impératrice? Au-dedans comme au-dehors, d'ici et d'ailleurs, vos ennemis sont puissants entre l'indépendance d'Haïti et vous et la nation. Le péril est si grand. Ce soir, je me trouve infernal, dit-elle. Le cliquetis des armes en rafale nous annonce une vraie bacchanale dans une déraison totale. Ô mon maître, sa majesté, laissez-leur à leur dérive fatale. Hormis la liberté, toi seul compte ma vestale. Avançons, mon amour, pour la victoire final. Rastafari stands alone. Welcome to Zile. Moi c'est Diva Reggae Haïti à Mirla. Branchez Zile chaque jour, 9h pour midi. Pla. Salut Zile variété, madame messieurs. Nous là, on a déjà changé de décor. Frédéric surpris, hein, vous avez eu ses explications autour de l'impératrice d'Haïti. Il vous attend certainement à l'espace Kiskeya ce dimanche matin. À compter de quelle heure, Frédéric? 10h30, les billets sont déjà en vente. Il y en a pharmacie des 5 coins, là, tout près, là, au pont Saint-Géraud. Il y en a ici aussi, il y en aura à Kiskeya tout jusqu'à demain. Donc, les cartes sont en vente à Kiskeya? À Kiskeya, à pharmacie des 5 coins. 5 continents. Il y en a aussi à la Pléiade. La Pléiade, 5 continents, Télé-Kiskeya, Radio Télé-Kiskeya. Et le billet est à? Oh, il y a le billet à 500 gouttes, à 750 gouttes, c'est vraiment... Pourquoi ça varie? Je te dirai, quand tu seras là, je répondrai en direct, non pas à la télévision, mais sur les lieux même. Secret d'État ou de polichinelle? C'est bon. Secret stratégique. N'est-ce pas? Ah, mais il n'y a pas de problème, Frédéric. L'impératrice, j'espère, hein, ne s'en offusquera pas. Que je vais passer du côté du bar. Non, pas du tout. D'accord. Mais reste avec nous sur le plateau. Oui. Ce sera je vais dire une dernière chose. Vas-y. Tu sais, c'est bizarre, c'est la scène que je n'ai pas encore faite et que j'espère faire un jour. Il y a une tradition en Haïti où les femmes de président, jusqu'à ma gloire, je crois, au 1er janvier, vendaient les bouteilles au Palais National. Hein. C'est-à-dire, c'est une tradition de belle lurette. Et j'ai trouvé ça tellement joli de voir l'impératrice en train de vendre ou de donner les bouteilles à la population dans un numéro que je n'ai pas réalisé encore malheureusement, mais j'espère pouvoir le faire et exporter ça parce que c'est ça notre cachet. En tous les cas, j'espère que tu vas trouver ta source d'inspiration dans la boisson que nous importe aujourd'hui. C'est ça, oui. Notre ami. Je suis admiratif d'ailleurs des 4 verres. Donc, ils ne sont pas encore remplis, je ne sais pas. T'inquiète, je suis à la bonne place pour te dire comment ça goûte. Hein. Il n'y a pas de problème. Tiflo de moi. Je suis là. Derrière le bar. Et comment? Ça va la vie? Ça
Je te regarde entre deux verres, ma chérie. Ce ne sont pas mes verres. Et on va rester sourds. Voilà, les filles de USB sont là, accompagnées de leur professeur, je crois. Hansberry, hein, qui aujourd'hui s'est fait accompagner deux hôtesses. Hansberry, bienvenue dans Ziléa, son plaisir. C'est le deuxième passage. Alors, c'est toujours un plaisir pour me partager un moment dans Ziléa. Oui. Donc, on est nous sortis loin pour nous arriver près. Et puis, nous avons été. Nous avons un espace culturel côté qui recevoir tout le monde, tout divers horizons. Alors, c'est toujours un plaisir, Franzi, pour me et pour me présenter aujourd'hui à ma deux belles demoiselles, deux hôtesses, oui. Deux étudiantes de la USB qui m'a placé le soin pour représenter tête. Ah ben bon, on connaît, on va l'obliger à joindre la galanterie au déplacement, font un petit bac parce que bon, grand micro. Et mesdames, voilà. Et toi, il va falloir que je t'aide sans pouvoir m'aider totalement moi-même. Cette affaire de déplacement, il va falloir le régler. Voilà, parle ici, ma chérie. Merci, bonjour. Bienvenue à Zilé. Merci. Je suis Augustin Loutia, étudiante en hôtellerie et restauration à la USB. Ok, super. Et tu fais des boissons? Oui, bien sûr. Tu n'en abuses pas? Non, non. Et tu es majeure? Oui. Super. Ok, bonjour. Bonjour, je suis Antoine Dittmaï-Ange, étudiante en ticketing, hôtellerie et tourisme à USB. Je dis à son grand plaisir pour moi, avec nous. Son plaisir pour Zilea Variété, accueilli deux hôtesses Sayo, deux étudiantes de USB en tourisme et restauration. Tourisme et restauration. Vous vous préparez en conséquence, mesdames. Faites la place à M. Berry Brady. Hein? M. Brady, soit voté pour nous là, je dis. Bon, je dis à nous à voter grand-chose, non, mais nous voter pour nous satisfaire besoin chaque grand monde là. Non, vous connaissez, premier arrivé, premier servi déjà là. Et bien, là, seulement pour moi, aller venir jouer, parce que nous ne sommes pas trop conciliants. Alors, étudiants ont décidé de préparer deux produits. Je dis. C'est deux saveurs qui très nouveaux et gain c'est océan qui parle non plus de horizon, de la mer, de culture. On boit son crélé océan, il y a de l'océan là-dedans. Non, il n'y a pas de l'océan, mais non, mais c'est concept là, crélé océan. Et mon deuxième boisson, le grenat colara. C'est nous-mêmes qui inventons. Oui, c'est nous-mêmes qui décidé d'inventer le produit ça. Ok. Donc, sur le soin pour pouvoir vous déguster. Non, avant même la dégustation, et je ne vais pas me gêner, tout le monde le sait. Moi non plus. Non, ça n'a pas pris de temps qui c'est hôtellerie et tourisme. La restauration. Oui. Donc, c'est n'importe ça que nous apprenons à faire ça. Faire, là. Oui. Ça prend combien de temps pour apprendre à faire ce genre de mixage? Combien de temps? Comme si, est-ce que son temps d'études, un an, 6 mois, par contre, 10 mois, pour apprendre à faire boisson. Boire l'envers à respecter. Et ça lié avec un problème. Tu sais, ça s'apprend. T'as entendu? Il ne suffit pas de boire. Comme ça que tu parles à ton réalisateur. Il comprend. Ok. Tout dit, qu'est-ce qu'on apprend à faire? Ou on me connaît? Ce qui est intéressant, c'est qu'on me drogue. On me connaît. Il y a pâtisserie aussi. Pâtisserie, restauration. Il y a beurre. Ok. Aussi. Donc, quand vous avez fini, vous êtes à même pour nos travail dans hôtel, bar. Oui. Tout espace qui a recevoir, côté pour mon héberger, côté pour mon vivre bien, mesdames, ça a prêt pour recevoir vous-même. Ok. Et vous-même, qui moi, cours vous faites pour mesdames? Moi-même, c'est professeur bar et restauration. Et comment il est comme professeur? Ne va pas garder, il a fait fiancé, non. Garde l'autre bord. Cool. Oui. Il est cool? Ok. Je vais poser une question. Pourquoi? Pas de problème. Petit Flo. Non, moi, je suis une boisson. Ou si tu es en impératrice. Et comment? Hein? Après ce documentaire très intéressant qui nous invite à connaître nos ancêtres. Théâtre et musical avec Frédéric Surpris. Ouais. Ce sera ce dimanche. Wapla. Tout à fait. Souhaitons-le. Ok, Hansberry, et qui fait le mixage? Je laisse le soin aux filles de préparer ça pour vous. Ok. Océan et Gonacolada. Elle va vous expliquer. Non, t'inquiète. Parce que Asile Variété, c'est vrai qu'on aime bien mélanger les choses, mais on préfère que tu fasses le mixage côté boisson. Mais nous, on ne mélange pas nos rubriques. Là, nous sautons dans l'entrevue. Rubrique, ça quoi le fait là, elle est manger pays. Donc, à déclare, on y va avec l'annonce en jingle. N'a pas jeté ça qui pour nous. N'a pas ramassé ça qui pas pour nous. Eh bien, nous fait voir et nous. N'a pas tourné.
N'a jeté ça qui pour nous, n'a ramassé ça pas pour nous. Manger la caille non, manger la caille originale. Ça n'a mangé, j'en ai mangé, tout ça fait partie richesse qu'il tient nous. Manger pays, manger local, c'est bon bagaille. Diri ak lalo, mayi ak fey, pitimi, dukounou, bougonè, bobori, gobo, fri ak legim lakay, rendez-vous ak kase, yon di lot. Demè se ka ou menm kap pataje yon bon ti resèt lakay ou konè ak nou, an manje peyi pou nou retounen manje ak kalite. Pou bay manje lakay vale garanti santen, pou diversifiye pi valorize tab nou ak fiyate, san trop sèl. Ki bepis ni trop l'huile. Sak nan poch ou ak ap pèmèt ou manje bien. Ou parye, an al gade. Voilà, de retour, madame, messieurs, avec les filles. Dites Marie. Dites Marie-Ange, c'est toi? Et Loutia. Mesdames, on y va. D'abord, expliquez-moi, on va y aller avec les ingrédients parce que nous pas oublier en matière de cuisine, ça qui bon, au bord tout, supposé, et ça qui est très important, c'est la proportion. Oh, il a dit ça le professeur. Oui. Il doit être un bon. Il y a pas de souci. Qui ça nous besoin pour nous faire ça? On commence à la gona colada ou océan? Je ne sais même pas qui est gona colada. OK, pour faire la gona colada, on a besoin de 6 cl de jus grenadier. Grenadia local? Oui. Ok. 3 centilitres de rhum blanc. Quand tu dis centilitres, tu peux nous faire voir, on est en télé. On est en télévision. L'image est très importante. Il y a là, ça mesure 9 centilitres. Il ne faut pas aller avec... voilà, il y a une caméra en face de toi. Ok. Voilà. Ça mesure 9 centilitres. On va faire 6 centilitres. Bouchon ça, il y a 9 centilitres. Oui. Oh. Ça veut dire chaque boyau, c'est 3 centilitres. Okay. On va utiliser 6 centilitres. 6, 1, 2. Ok. Je vais préparer 2 verres. Je vais en avoir besoin de 12. Ordinaire. 12 centilitres pour 2 verres. Ensemble. On y va? Ok, on va commencer. Non, on y va d'abord pour les ingrédients. Oui. Okay. Dis-moi les ingrédients et puis après on va aller pour le mixage. Ok. Ok? J'ai déjà parlé de. D'abord, c'est. 3 centilitres de rhum. Floriana, prends note pour vous. Mm-hmm. Parce que c'est une, tu vois, c'est une recette. Donc 3 centilitres de rhum. De rhum babanco. Mm-hmm. Et tu peux dire le rhum parce que Babakou n'est pas passé à ma caisse. D'accord. Ok. De rhum blanc. Voilà. Ok. On aura besoin de 3 centilitres de lait, lait évaporé. Mm-hmm. Ok. Après, on fait. Un gain lait là-bas, il y a tout. C'est comme piña colada. Wow. Sauf que c'est fait avec du grenadier. C'est grenat colada. Oh. Ah bah, ok. Donc, récapitulons. Rhum blanc. Oui. Jus grenadier. Glace, lait. Ça seulement. On mélange le tout. Il n'y a pas de sucre? On peut ajouter un peu de sirop de sucre. Ok. Et sirop de sucre, là, c'est le sucre qu'on fonde préalablement. Oui, à froid. À froid. Ah, tout ça, c'est important, tu sais. Oui. Et on aurait pu le faire à chaud aussi, vous avez à froid. À froid, c'est plus. Comme plus liquide? Non, pas plus liquide, plus pratique. C'est plus pratique. Pratique. Eh bien, mesdames, par contre, c'est son examen, mais votre prof est là. Hmm. Il vous regarde. Je vous attends. Je suis à la bonne place pour goûter. Allons-y. Ayez de l'ambition, mesdames. Check, check, check. Dis les variétés, mangez pays, grenat colada, première boisson que nous avons fait avec Hans Berry Brady, avec ses filles qui nous viennent de la USB School. C'est vrai que c'est pas difficile de donner les bonnes notes à ces deux filles. Ah, good. Vraiment pas difficile. Elles sont tellement jolies qu'on a envie de voir. Oh, ok. Il sait faire son marketing. N'est-ce pas, hein? Il influence le jury. Là. On y va. Ça, c'est jus grenadier à cap vidé. Ok. Il faut l'en compter. 2 centilitres. 2 centilitres, ok. Ça fait 4, 6, 8, 10,
Ah oui, chaque compte est pour trois. Oui. Hein, chaque bouchon, pour ça, deux. C'est trois. Pour deux? Oui, deux centimètres. C'est deux. Chaque homme, c'est deux. Ok, mmh. Super. Donc, Grenadia d'abord. Maintenant, on y va pour le rhum. Le rhum que tu tournes sans montrer l'étiquette parce que Zile Variété a égaré. Vas-y, merci. Ça fait deux. Il faut tout surveiller, Frédéric. Faites sur tous les fronts. Ok. 8. Il faudrait que tu passes de 3 centilitres de jus de Grenadia, 8 centilitres de rhum blanc. Tu as pris note? 3 centilitres de lait évaporé. 3 centilitres de lait évaporé. Et 2 teaspoons de sirop de sucre. 10 centilitres? 2 teaspoons. 2 teaspoons. 2 cuillères. On va mettre le sucre. C'est quoi cette chose verte là? Sirop de sucre. Ah! On met du fruit colorant. C'est très impérial ça, c'est très impérial. Ah! Tu vois Indigo toi? On faisait ça à la cour de Christophe de Dessalines. Ah oui, les messages. On va y aller. Et puis tout ça. Oui, mais la pire. J'adore. Le secret de la sauce, quoi. Comme pour dire. Mais tu peux faire ça aussi. Depuis toute petite, quand je regarde les dessins animés, toujours bah, la cucaracha. On t'a pas vu. On m'a vu, t'inquiète pas. On m'a vu. On m'a vu. On m'a vu. On me voit tout le temps ici. Super. Soukenet? Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Madame, madame, quand vous voyez. Moi, j'ai de l'énergie. Quand je secoue, je secoue. C'est pas en douceur, ça. C'est pas en douceur. Il y a une façon de faire. Il y a une danse. Voilà. Le professeur montre ça aussi. Oui. C'est ballet. De la sauce. Il y a un ballet, là. C'est une chorégraphie. Ah, il fait sa prise sur Mike Tyson, mais les filles font un petit peu Angelina Jolie. C'est joli ça, je vous assure, c'est beau. Moi j'adore. C'est une belle chorégraphie. Ok. Et elle est déjà prête la boisson? Oui. Oui. Oh mon Dieu, c'est du rapide. Grenade colada. Mm-hmm. Ah, c'est le bleu qui donne cette teinte, ça c'est beau. On a mis de la glace? Il est là-dedans? Oui. Mm-hmm. Super. On va pour ça. Vous allez servir ça, madame. Ah! Et ça, qu'est-ce que tu viens de faire? Là, tu mets de la couleur. Tu mets de la couleur, c'est magnifique ça. Bon, bagaille. Ça, c'est de la physique et de la chimie, le bleu nous plonge. Bon, comme vous pouvez constater, il n'y a que 4 verres. Il y en a 3 pour moi et une pour les autres personnes. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est assez bien partagé. On voit bien que c'est une parole d'Afia. Ah. Et Dieu, j'ai même pas encore commencé. Ok. On laisse le soin à Franzi. De goûter? De goûter, c'est Elle va pas se faire briller. Tiple, tu veux que je goûte pour toi aussi? Vas-y, vas-y, goûte. Ah. Ah oui, c'est vrai. Avec, oui. Tu peux venir. Comme ça, j'aurai l'impression d'être vraiment au bar, sauf qu'il n'y aura pas de notes. Il n'y aura pas de bille après. C'est super. Tu peux servir cette impératrice avant moi, tu sais. La reine, Flo. Merci. Lala. Merci. Ah, il y a aussi la tenue. Vous avez remarqué sa tenue pour le service? Ah oui. Mais d'aide, on va vous dire ça. Pour l'équilibre. C'est pour l'équilibre. C'est pour l'équilibre. À ta santé, à ma santé, à tes amis. À la vôtre. Je lève mon verre à ta santé. Je pense à André Fouad, madame, messieurs. À exactement 20 minutes. Il faut aïe, 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 c'est un peu de cogouté. Il faut remuer en plus. Sébastien, photo.
Tu es là pour la photo, toi. Merci. Merci. Je sais. Ça, c'est important. Super. Vous avez vu la cuillère? Je connais qui serait heureux d'avoir une cuillère comme ça chez eux. Ça facilite la tâche, pas bref, à distance. Mais c'est à défaut de mettre les graines de grenade ici, on ajoute quand même un morceau d'ananas. Mais ça fait très exotique. Oui. Et puis, il y a ce mélange de couleurs, il y a du bleu. Mais comment faire jouer une verre? Ah oui. Le verre, c'est aussi du sucre. Oui. Oui, vous ajoutez du verre colorant. Glacé. Du colorant vert. C'est du verre glacé. Et puis, est-ce que arrivé dans mon ventre, ce sera de couleur aussi? Non. Ok. On ne sait jamais. Avec toi, vraiment un anabolisme extraordinaire. L'hiver, c'est pas ce couleur. Hein. Bon, Flo, je goûte pour vous, madame. Carlin, c'est pour toi. C'est pour vous. Anécla, c'est pour toi. Mais comment? Toutes les spectateurs, mignons, petit goûter pour nous. Sentinab goûter le tout. Oh, mais c'est super. Oh. Et vous, si je suis une troisième dans spectateurs, c'est pour grand moment. Ah oui. Et l'invité? Ah oui. J'ai déjà les notes. Ok. Il y a le temps qui passe aussi. Je m'en oublié ça. Deuxième bon poisson. Bon accord, madame, messieurs. Magnifique. C'est super. Super. Flo? Bon, bah, il sort, ouais. Mais comment on fait pour l'en plus? Mal plus fort? Madame, messieurs. Au revoir. Vous demandez, mais quel genre d'émission, professeur, mais d'être là? L'idée de dire, nous, son émission qui est tout à fait relax. Ouais. Il n'y a pas de problème. On y va pour la deuxième boisson, les filles? Non, mais tu vas tout boire. Hein? Tu vas tout boire. Je vais boire, mais il faut aussi que je travaille. C'est ça la mesure. Tu sens oublier ça. Jamais oublier la mesure. Je bois pour toi. Je sais, ma chérie, je te fais confiance. Oh, oui. Deuxième boisson, les filles? Océan. Océan. Je ne vais pas m'y noyer. Tout au fond des océans. Recherchez ton. On y va. La boisson. Ça se prépare avec le margarita, le sirop de sucre canne, puis le curaçao bleu. Ok. Bon, bagaille. Le curaçao bleu, c'est vraiment bleu. Oui. On y va, Flo. Entre-temps. Avec là, on met la joie pour nous, pour Florian, tous les messages en attendant. On attend la préparation ou quoi? Après, on revient, on les laisse faire. Ah, okay. Joie pour avec là, maintenant. Okay. Encore une fois, un compliment. Joie pour dire sans penser. Joie pour venir proposer. Joie pour croiser et changer l'idée. C'est Kounia pour placer mot parlant dans 37 27 58 75. Jouez pour vous, les amis. Rastafari stands alone. Welcome to Zile. Moi c'est Diva Reggae Haïti à Mirla. Branché Zile chaque jour, 9h pour midi. Voilà, madame, messieurs, nous tournons sur le plateau Zile Variété. Oui, bien que nous avons Rona Pinalda. Colada. Rona Colada dans tête nous. Nous avons une belle. Attends, non, petite. Jusqu'à présent, parce que j'ai déposé vers moi, mais le résultat est dans tête de lui. Nous allons commencer pour les messages, amis téléspectateurs, ensemble avec, si vous voulez, auditeurs avec nous, parce que mon capitaine n'est pas regardé. Attends-moi, attends. Avant même de rentrer dans les messages, laissons les filles pour le deuxième mixage. Ah, ok. Je vais devenir sans en avoir l'air. Allons-y, les filles. Alors, on va faire le même processus pour savoir quel est le dosage des ingrédients. Et aussi ce que vous mettez dans cette nouvelle boisson. Ça, c'est Grenache Colada. Il est fait avec lait, il est fait avec rhum blanc, il est fait avec jus citron. Grenadia. Lait avec citron. Lait avec citron? Ça sent le taille. Les amis, ils n'ont pas fait pour le blanc, mais ça sent le posé.
Et puis, maintenant, pour ça, c'est même ingrédient? Non. C'est quoi? Pas même ingrédient. On a les 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on met dans la nouvelle boisson qu'on fait? 12 centilitres de tequila. 8 centilitres de curaçao blue. Puis 4 centilitres de sirop de de jus de citron. OK. Puis après, curaçao blue, margarita. On reprend. 12 centilitres de on monte la bouteille. Tequila. Tequila tout simplement. Oui, tequila. Ça va. 8 centilitres de curaçao blue. Mm-hmm. 6 centilitres de jus de citron. Puis, sirop de canne, un dernier. OK. Ah oui, le jus de citron, tu peux nous montrer? Voilà. Voilà. Et puis, sirop canne, un dernier. Sirop canne, la caille. Oui. Bah, on n'a pas de sirop canne. La caille, non. Je connais le sirop d'érable, elle va comme chez. OK, on y va. Check, check, check. Check, 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 check. Ça doit se faire avec le sourire aussi. Bon, bah, la boisson est bonne, je crois, avec le sourire. Une femme n'est pas capable de faire ça, c'est qu'elle n'est pas une femme. Mais c'est pas. Ouh! Du bleu dans les yeux. Du bleu pour les amoureux. Du bleu dans les ananas. Du bleu où il n'y en a pas. C'est pas ces îles. C'est pourquoi on a appelé ce boisson océan. Océan. Je suis la maîtresse de ça. Est-ce qu'on va trouver le cœur? Ça va, Frédéric? Ça va? On va trouver le cœur de rose. Océan, oui. Oui. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Océan. Je suis hôtesse des lieux, non? Je te taquine, mais tu apprécies le monde. Oui, j'apprécie aussi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Océan. Là, en océan. Veux-tu rincer mon verre pour moi? Ah, le sirop de canne est ajouté du... Ouh! À la fin... Moi, qui dis bon petit cadre. Je me fais que 10 ans, ça veut dire, au fond, vous m'avez chuta. Ça, c'est pour la décoration, Hans. J'ai remarqué comment elle tourne la bouteille. Pour la décoration. J'ai remarqué comment elle verse et puis elle retourne la bouteille après. Oui, ça doit être dans l'art pour que ça puisse aller jusqu'à la fin. Les cas, bravo les filles. C'est super bien appris. Hans. Oui. Et bien appliqué aussi. Ouais. Ces filles-là, elles bien sont... Bien apprises et bien appliquées. Tout à fait. Ces filles sont prêtes à aller n'importe... À n'importe quel endroit pour travailler. Super. C'est déjà un métier. Déjà voilà. Les deux prochaines sont pour Monsieur Surpris. Ça ne sera pas du tout surpris. Mais il faut goûter aussi, mesdames. Il faut goûter ça aussi, non? Oui, on va. C'est pour ça que j'ai demandé à mon ami là. Qui, moi? Vous me demandez de goûter? Ok. Voilà. Moi-même, je vais goûter ça. Alors, maintenant, tu peux lire. La boisson est faite. Ok, merci. L'autre, c'est pour qui? L'autre, c'est pour Karim Pédou. C'est pour le monsieur avec le bon. Plus de blanc. Bon, en attendant, madame, messieurs, que je me retrouve au fond de l'océan. Pour aller chercher ton reflet. Oui, sans pour autant me perdre dans les eaux. Je sais pas. C'est pas aussi simple de dire séance ces jours. Oui, ça je sais, c'est peut-être ministre. Ouais, c'est vrai. On le sait. Eh bien, il y a Tissixto, madame, messieurs, qui t'a écrit nous hier, dans les variétés, qui t'a dit nous bonsoir, les variétés, comment nous y est. Eh bien, Tissixto, nous là, n'a pas continué à faire soleil à clairer, n'a pas tenu là sous plateau, n'importe l'heure pour venir nous, y'a l'autre Sixto. N'a pas remercié 9208 qui voit saluer le matin, qui dit bonjour, les variétés. Eh bien, bonjour 9208, bonjour à toi. Et puis, nous voulons aller dans SMS. Pour SMS, nous avons qui dit bonjour à toute beauté créole, bon travail à Tile Variété. Map gade nous là, boisson à couler, c'est bon bagage, bonne journée. Et surtout, map goûte pour vous. Ou même, map goûte pour vous, map rappelons que map boue pour vous, matin, grenade colada. Avec Océan. Avec Océan. C'est deux élèves dans l'école ça qui certainement est présidé ou plutôt aidé par Hans Berry, hein, qui c'est professeur, Monsieur Hans Berry Jacques, qui lui-même aidé Mesdames Yo, et Mesdames Yo a bien passé. Voilà, n'a pas remercié 8710 qui vous a dit nous bonjour, belle Mesdames Moyo, m'a regardé Zile Variété, moins content matin avec nous, moins content nous là, et nous belles. Merci.
N'a pas continué avec message yo. Nous pouvons regarder sur Facebook pour nous matin qui moun qui là ensemble avec nous. Oui, et grand pile amis matin sur Zile Variété sur live là ensemble avec nous comme d'habitude d'ailleurs, qui toujours là ensemble avec nous, on permet que justement internet là monter pour qu'il bonne chance pour nous regarder. Est-ce que vos amis qui écrit ou madame Simon je vais aller sur le live là. Sur le cap moi qui était moi pas là au monde pour qu'il aime parler avec. Sorry là. Et monsieur Léon. Ah non, ça y est moi. OK, moi qui était ça. Moi bah elle écrit aujourd'hui, me dit mais j'ai rien fait. J'ai compris. OK, j'ai compris. Tu as le téléphone mais déchargé et puis monsieur Bakou et mes parents donc vous avez fait moyen. OK. On est seul pour bon océan. Les filles, ont rapidement. Parlez. J'ai goûté pour toi. Tu as trouvé que c'était bon. C'était super, n'est-ce pas? Ton bon, ami qui vient d'arriver, ou aime bien goûter pour ou aime goût. C'est ça. Il faut être solidaire, même dans le goût. Bon bagaille. Mais c'est un peu grisant. Hein? Je ne sais pas si le vôtre, c'est la même chose. C'est, ça, c'est un peu saoulant, hein? Légèrement, non? Océan? Bon, on peut comprendre, c'est profond, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai, ça. Ça, c'est bien trouvé. C'est super. L'océan est profond, donc on peut comprendre. OK. Alors, je peux poser une question pour ce sujet. Oui, bien sûr. Est-ce que ce genre de boisson, c'est pour la plage ou bien c'est pour la soirée, c'est pour avant minuit ou après minuit? Je vois pas le lait. Avant minuit. Avant minuit, mais oui. C'est pas pour la plage. Oui, pour la plage. La plage aussi. On appelle ça océan. Océan. Coucher de soleil, tout ça. Si on le boit un peu trop, on peut se saouler dans l'océan. Il y a des boissons. Est-ce qu'il y a des boissons pour la journée, des boissons pour la nuit? Oui, on veut utiliser des apéritifs. On veut boire des apéritifs. Des boissons qui ont... Parce que je suppose que sans boire vers midi, une heure... Peut-être vers 9-10 heures, ça a changé. Ben, non? Le pourquoi? Parce que il y a des fois qu'on utilise vitamine C dans la boisson. Mm-hmm. Alors nous connaissons vitamine C. Comme le citron, là. Le citron, c'est plutôt matin et midi. Ah. Et non le soir. Et non le soir. Donc on boit son comme ça ou pas t'as conseillé au monde boire la nuit? Non, parce qu'il y a des vitamine C là-dedans. Donc, ça le fait organisme. Qu'est-ce que ça fait? C'est l'huile. Ah, il y a un médecin là, il faut le demander. La vitamine C qui ne fait que activer l'anabolisme, comme elle disait. Beaucoup d'anabolisme, ça te fait travailler trop, tout ton corps est en ébullition, donc tu ne peux pas dormir. C'est pas la vitamine C, tu le prends le matin, tu le prends le soir. Il préfère le matin, type de boisson, matin et midi. Les gens ne devraient pas manger après 6 heures du soir, mais que dalle, en Haïti, on mange peut-être deux fois par jour, alors les gens qui mangent à 7 heures, 8 heures, 10 heures. Après 6 heures du matin, du soir, manger est mauvais pour l'organisme. Ça relève de la nutrition. Super, voilà, on apprend autre chose aussi à Zine Variété. Bon, on est là en direct, on est encore en direct avec 2030 personnes déjà, c'est pas mauvais. Il y a 2030 personnes qui regardent. Super. Flo, bague un message. Où est ton téléphone, Kaipé? Kaipé, ton téléphone, tu dois nous donner. Oui, il faut nous donner le téléphone parce que quand on est sur le plateau, il ne t'appartient plus. Et les messages dedans, non? OK. Ça, c'est du sirop de canne? Oui. Cette fois, ça va apprécier bonne goûter. Franchement, mettre bonne petite. Voilà. Super. Super. C'est du sirop de canne carlin. Vertical. Ça c'est pour moi, ma chérie? Non? C'est pour nous, peut-être. Oui, on est souvent ensemble. Vas-y, c'est ça. Pour nous, Flo. Mais je vais aller là pour moi. Prends le téléphone. Ok, c'est à toi. Mais on va fermer. Oui, on va fermer. Ah, c'est dans les océans. Oui, je vais la baigner là. Madame, c'est ici où on va prendre beaucoup d'attaques et violer parce que c'est pour nous de l'île. Bon, les filles, vous savez, vous êtes plutôt jeunes, il ne faut pas boire. Ah. Il faut juste servir. Ça, c'est vrai. Tu as posé la bonne question. Est-ce que vous buvez aussi quand vous faites ça? Non. Jamais? Non. Ah, ben, les gens ne vont pas vous quand croire si vous buvez. Non, quand vous buvez. On peut boire après, mais pas pendant qu'on fait la préparation. Mais il faut déguster, même si vous feignez. Feindre de boire. Non. Oh, c'est bon. Et puis comme ça, vous prenez tous les gens. Non. Non. On n'a pas le droit. Laissez-moi saluer nos amis qui nous regardent ce matin, madame, messieurs, sur... Salut, Flo, et moi, je salue. Ah oui, chérie, salut, le verre où, pas bien, non. Okay. Je lève ouvert à ta santé. Glessito Citerne, Natacha Dorelus, Pierre Fanaël,
Dieu. Ah, Dieu est avec nous ce matin, dans nos vers surtout. Junia Clerville, chère cousine de mon cœur, la déesse Zuzu, j'espère vraiment que tu es Zuzu, parce que c'est vraiment Dieu, on est Zuzu. Yves Mail, Francis, bonjour à toi, merci d'être branché et de variété. Encore une fois, nous saluons ce matin Carl Anzi Molière, Myrna Ilophène Blanc, et certainement la déesse Zuzu, Junia Clerville, Henri Louisias, Valentine Auguste. Et ceux qui sont sur le téléphone de KEP, qui va donner à Sandra certainement. Et Sandra, tu peux prendre le téléphone pour moi, s'il te plaît? Non, elle n'a pas entendu. Tu as à la voix, elle n'a rien entendu. Valentine Auguste. Et puis, pour discussion sous un palais de WhatsApp, eh bien oui. Et Novak la gamme de sous là, la gadea? Non, ni ka ou m'ba là, la bekrim 3 jours m'ba. Ni pa là, et li pa jamb là, surtout juste koto ya. Pa répondre encore, c'est un choix, je ne réponds plus. C'est un choix. Je ne réponds plus à tes appels. Même tu es jouet. Envahissant. Tout à fait. Poursuivons. En plus, voilà. Et bien, nous saluons tous les amis qui branchent que nous pas gétant que chance li message yo matin. Merci parce que vous branchez les variétés. Merci de ce que toujours fait nous confiance ou accordez nous nos journées. Et nous avons trois messages. Nous avons moins nos idées. Oui, moins saluez nous et bonne émission. Ok. Trésil. Ah, ok. Trésil. Et puis, compagnie ça justement qui va jamais dire l'autre bagaille que nous activer. Tout rappeler pour vous, hein, et puis passer le téléphone là. Voilà, tu voulais pas rappeler. J'ai le proverbe. Ah, tu l'as. Téléphone, oui. Tu peux prendre. Merci. Cool. Voilà, messieurs. Avant même de rappeler le proverbe et avant que le verre fasse son effet. Bien sûr. Frédéric, merci d'être passé à Zilé. C'est à moi de vous remercier. Vous m'avez donné du bon temps. Toi et ta. Et comment pour c'est dire? Ma Flo. J'ai presque envie de dire. On nous appelle Flozy. Oh non, vous êtes bonne. Vous êtes vraiment bonne. Merci. Et puis de jolis invités. Et puis monsieur qui fait un bon travail. Magnifique. Oui, j'ai passé un moment. Je devais partir. J'avais rendez-vous. Vous voyez qu'on m'appelle. Je suis en retard. Ah, mais. compliment encore. Hein. Voilà. Je suis l'un de vos fans. Oh, super. Alors, monsieur surpris comme fan. Voilà. C'est silencieux. Tout de suite. Attends, oui. Moi, je te rappelle. Il arrive. On te le pardonne parce que tu as zilé. Oui. Il n'y a pas de problème. Bon, on rappelle, Frédéric, tu attends tout le monde ce dimanche. Dimanche 10h30 à Espace Kiskeya, tout près de Radio Kiskeya, Villemenée. Venez voir le théâtre musical L'Impératrice d'Haïti. Ça vous fera du bien de voir que vous avez un beau pays, malgré que le pays soit dans l'état où il est. Que vous avez de l'avenir, malgré qu'on est en train de boucher l'avenir de tous les jeunes. Et voici merci, je dois regarder cette caméra de présence. Oui. Excusez-moi, je suis un peu comme elle, je ne regarde pas la caméra. Je suis parti. D'autant plus qu'ils m'ont donné un océan, j'ai dit où nous l'avons fait. Les deux prochaines boissons, ce dimanche, ce sera ça. C'est des caméras de dimanche. Non, mais écoute, pourquoi tu ne les invites pas? Tu auras un public. Il y a un bar à l'Espace Kiskeya. Tout oui, à fait. Ils peuvent venir te faire leur boisson. Oui, c'est vrai, mais hein? Je voudrais que ce soit seulement après le spectacle. Oui, après le spectacle. Je voudrais que ce soit seulement après le spectacle. Tu sais, parce que si c'était avant, les gens risquent de dire bravo, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est pas plein à boire. De toute façon, le meilleur est toujours réservé pour la fin. Oui, voilà, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Le meilleur est à venir. Est à venir. Voilà, merci Frédéric. Surpris, madame, messieurs, l'invitation est lancée. Est-ce que tu veux te déshabiller? Non. Enfin, le micro, je veux dire. Non, après. On reste ensemble. On reste ensemble, il n'y a pas de souci. Vous êtes là, Andviri, merci d'être passé à tes deux charmantes hôtesses. Mes amis, Jude. Non. Jude. Lucia. C'est Jude, il y a non. Lucia et Dite. Dite, oui. Dite Lucia. Oui. Dite Lucia. Dite Marie-Ange. Lucia Augustin. Ouais, de cause. Dite Marie-Ange, Lucia. Augustin. Ok. Les filles, c'est plus simple. Les filles. Oui. Merci d'être passées. C'est un réel plaisir. Je vous attends une fois depuis Asie des Variétés. Et je vous souhaite du succès dans ce que vous avez choisi comme carrière. Il vous faut de la détermination. Je suis sûre que vous avez ça déjà. Vous avez la jeunesse pour vous. Donc, vous avez le monde devant vous. Beaucoup de succès, la fille. Merci. Super. À votre professeur, je dirais beaucoup plus de boissons pour vous. Hein? Ah oui. Dis-moi, c'est la prochaine fois qu'il viendra. Super. Voilà. Rappel, citation, proverbe du jour, madame, messieurs, Asile et Variété. Aujourd'hui, on n'a pas eu à l'antenne notre proverbe comme on le fait. Chaque jour. Chaque jeudi, mais on le rappelle, hein, vous n'avez pas eu la chance d'appeler, c'est pas grave, hein, partie remise. Vas-y, les soir perdu dans la longueur, on prend dans l'âge. Demain, est-ce qu'on sera là? Point d'interrogation.
Red sous page Zilean pour nous connaître, parce qu'avec le match, on ne sait pas. Ça monte et ça descend. Je vous rappelle le proverbe du jour, jeudi, proverbe la caille. Et on a parlé... Oui? Avant de partir, Fendi, avant de laisser, avant de dire au revoir aux téléspectateurs, j'ai un rêve, j'ai un fantasme. Est-ce que tu voudrais m'aider à satisfaire ce fantasme? Tu demandes ça live? J'écoute. Oui, tout à fait. C'est de faire... une émission en pyjama, toi en pyjama, Adèle en pyjama, ça, moi aussi en pyjama. Ça sérieux, on peut faire ça. Oui. On peut faire ça. Mais en pyjama sans sous-vêtements. Ça ne sera plus une surprise. Ça ne sera plus une surprise. On verra après. Là, on nage dans les océans. Voilà. Ça fonctionne. C'est bon. Les proverbes, ma chérie, pour nous caler. On a les résumés. Aujourd'hui, on a parlé du bœuf ou de la vache, si vous préférez. Comment nous est bœuf dans la culture de Bolakay? Proverbe journée, c'était bœuf d'il bral sal savon, c'est quel lit sale. Hein? La plupart du temps, on pense au bral von moun, mais j'en et puis, et son nom, on lit tombé. Les variantes, bœuf qui gagne quel long, pas jambé dit fait, bœuf pas jambé dit savon, merci. Bœuf ou à savon pour wa, y a des méléos. Bon Dieu, pousse mouche pour bœuf sans quai. Ou coucher sous peau bœuf là et puis ou parler le mal, ça c'était pas bon la caille, j'ai dit proverbe la caille. Citation du jour, l'ambition est comme un médicament. Il faut en prendre la dose prescrite car elle peut être soit bénéfique, soit nocive. Eric Mortensen. Deuxième citation de Robert Baden-Powell, que ton ambition soit de voir non pas ce que tu pourras tirer du travail, mais ce que tu pourras y mettre de toi. C'est ce que je fais ici. Voilà, madame, messieurs. Flo, justement, pour les proverbes du jour, madame, messieurs, nous avions eu un proverbe chinois et une sagesse tibétaine. Pour le proverbe chinois, ça nous a dit ce matin, nourrir l'ambition dans son cœur, c'est porter un tigre dans ses bras. Et puis, côté sagesse tibétaine, ça nous dit... un homme sans ambition est comme un navire sans destination. Deux citations, deux proverbes pour une journée bien remplie. C'est tout ce qu'on vous souhaite aujourd'hui, jeudi 23 août 2018. Ok, voilà. Voilà, c'est la fin. Super, merci Anne-Véry. Non, c'est pas encore la fin. Je voudrais dire, avez-vous remarqué, téléspectateurs, que les deux filles ont changé de couleur à la fin? Laquelle? Elles sont grises. Et toi, tu es jaune. Dieu, et toi, tu es jaune. Et tu n'es pas du tout au fond de l'océan. Je n'ai à la recherche du Titanic. En tous les cas. Bonjour tout le monde. Non, on trouve que ça tombe bien. Ok. On a eu, on rappelle les boissons. Oui. Grenada. Grenacolada. Grenacolada avec les filles. Et puis la deuxième, c'est Océan. Eh bien, comme on dit Océan, pas bon ici, maîtresse de l'eau, elle est Simbi. Yes. En bas de l'olier. Ah, bon, bon. Et où est-ce que fait ça? On a tourné, pas je dire, c'est non? Quoi, c'est quoi, madame? Nous allons dire demain. Oui. Nous allons dire, mais nous allons aller avec Wena. Nous allons chanter Simbi, madame, messieurs. Merci à vous. Bon jeudi. Bon jeudi, tout le monde. Restez bien chez Zilé. On vous aime d'amour. D'amour. Oui. Bon jeudi. Bye bye tout le monde. BNE à 5h, hein? BNE 5h. Oui, la clôture du festival. Oui, jeudi, c'est traite. C'est la journée contre la traite des gruyères. Voilà, contre la traite des gruyères et l'abolition de l'esclavage. Aïe, bobo. Bye bye, tout le monde. Bye bye, esclave encore. Bye bye, tout le monde. On y va. We'll be right back.
j'aime lever